Coucou, bonsoir la team, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Veuillez partager le live, s'il vous plaît. C'est blessé de guerre. Blessé de guerre. Il faut partager. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Les cœurs. Pardon. Partagez, partagez, partagez. La reine met en direct, oh, la nomba uno, la mafo fleur de l'île, la mama, oui, le retour de blessés de guerre, oui, oui, et vieille chouette qui me parle là, mettez les cœurs et partagez, faut partager les amis, c'est de ça qu'il s'agit, la bomba. Ouais, fleur de lilo, maman. Les gens cherchent la tamaya avec ton nom. Bonsoir les cœurs, bonsoir les amours, bonsoir mes cœurs. Je vous aime. Partagez le direct. Ma fauchou est de retour. Partagez pour annoncer à ceux qui sont loin là. Blessé de guerre, le retour. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Partagez le live. Je suis en direct. Le moment tant attendu. Partagez le direct, s'il vous plaît. On ne parle pas fort. Partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est blessé de guerre. L'autre émission du dimanche. Comme d'habitude. Si vous avez vos problèmes, vous voulez dénoncer, n'hésitez pas. Contactez-moi, je ferai le travail. Je laisse ma plateforme pour faire, voilà quoi, pour vous exprimer. Bonsoir les amours, partagez le live, même s'il y a le live n'importe où, non. C'est ici la vérité. La vérité, c'est ici. Chez la reine mère, chez la mafo. Partagez, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez. Mes amours, les abeilles, je ne vous ai pas abandonné. Vous n'êtes pas les orphelins, les sympathisants. Vous n'êtes pas les orphelins. Il est l'heure. Maintenant, non. J'attends les problèmes pour faire les directs. Les histoires que j'entends souvent que wow, 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 c'est monté, c'est descendu. Beaucoup de nouvelles demandes, beaucoup de gens vous demandent les nouvelles de maman. Anna, elle va bien. Ça va bon. Elle va tout doucement, elle est à l'hôpital. Poupée qui? Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez même dans le groupe des gens qui sont des Adai. Mettez partout. Ce soir, non? Donc, partagez seulement le direct, mettez les cœurs. Abonnez-vous aussi sur ma nouvelle page. Parce que bientôt, on va déménager ici, on va aller là-bas. Fais parler un peu le chant. Sont là. Ma fofa, Lili Abena, ça va chérie? Big up à toi, big up à Larissa Mouna, big up aux abeilles, big up à Ni, Love, Roberto. Pardon. Ne viens pas chercher les noms des gens qui veulent la fabrication ici. Hein. Tu as compris, non? Je ne veux pas. Otam attache. Attache quoi? Otam attache pipi. Maman, les faux profils de ça. Mettez-moi les cœurs, partagez le direct. Dès que quelqu'un prononce mon nom, faites-moi signe, je suis prête. Mes cœurs, je vous aime. John Cam Christelle. Bonsoir. Priska et Yango. Anne, Ange Mafo. Bonsoir à toi. Bonsoir Francis. Bonsoir la tigresse officielle. Bonsoir à... Bon, je revois encore les mêmes. Vous savez que ça fait longtemps que je ne venais pas beaucoup sur Facebook là. Mais maintenant là, non, maman, je vais au rock. La douce matin.
La douce qui, maman, vos noms du village là. Hein. Ah, Marlène Dolo, tu vis toi? Tu es sublime, merci chérie. C'est parce que je suis heureuse. Parce que mon gars s'occupe bien de moi. Votre père. C'est pour ça. Kenkam, c'est comment, non? Ton nouveau gâteau. Eric, je suis dans le mariage. Je suis dans le mariage jusqu'à le feu sort. Maman. Coucou, mon quoi, ma princesse d'amour. Coucou, mon frère chéri. Répliquant-moi nos sabis. Merci, mes cœurs. Tolga. Ouais, merci mes cœurs. Je vous aime. Okay. Bonsoir mon amour. Bonsoir mon cœur. Je commence ce petit direct à saluer celui qui me rend aussi heureuse. Merci mon cœur. Je sais que tu n'es pas sur Facebook. Laisse les gens penser que je n'ai pas de gars, mais je sais que tu es là. On a passé un très bon week-end. C'était trop bien. C'était vraiment bien. Le tarot qu'on a mangé ensemble aujourd'hui. C'était trop bien, chérie. Merci encore. Tu es arrivé à un moment de ma vie où je ne croyais plus. Mais grâce à toi, je sais que je ne suis pas une vieille chouette. Comme c'est un bordel qui tourne là. Merci mon cœur. Bon, vous savez quoi? Je ne vais même pas trop attendre. Je vais envoyer un message. Apparemment, il y a les gens qui ont dit que Fleur de Lys, qu'on va faire quoi à Fleur de Lys à Caen? Ce n'est pas le bébé qu'on dit là. Vous comprenez, non? Ce n'est pas le bébé qu'on dit là. Que le 25, je suis à Caen. À la soirée. À Caen. En tant que guest star. Pas l'ombrakata que vous parlez pour chercher la Stamaya avec mon nom. Je ne vous fabrique pas. Mamie, toi qui es cachée derrière, en train de monter les petits coups bas. Pour que soit des gens comme au boycott. Je chante. Moi, j'accompagne les artistes. Je ne chante pas. Je suis une blogueuse. Influenceuse, tout ce que vous voulez. Florie, tu influences quoi? Je l'influence quoi, hein? Quand je prépare le poisson braisé, quand je fais le poisson braisé, quand je mange, ça donne envie aux gens d'aller manger le poisson braisé. Quand je mange le gombo, ça donne aux gens envie d'aller faire le gombo. Donc, je suis influenceuse. La personne qui ne veut pas tomber dans le cabinet. Toi qui parles que que tu vas me boycotter. Je t'attends le 25 à Caen. Pas les histoires que vous arrachez les perruques des gens. Parce que vous êtes incapables d'acheter les perruques à vos soeurs, à vos femmes. Vous calculez que vous allez arracher la perruque de Fleur de Lys. Chérie, je vais mordre tes testicules. Tu vas entendre qu'une ancienne bordel a refait surface. Je dis que, pas les conneries que vous parlez souvent là. Je n'ai pas la force. Je dis que, tu essayes. Je vous attends. Je vous attends. J'ai dit que je vais signer sur tes noyaux, moi, et je vais avaler. Je vais te montrer que je suis un gars, une roubaisienne. Oui. Tu comprends, non? Donc, toi, la vieille chouette, là, quand tu montres tes seins à la basse, parce que vous faites la tousse pas, quand tu fais ta tousse pas, quand tu fais ta tousse pas là-bas, dans la basse, ce n'était pas là. Tu as la rage pourquoi? Tu crois que je suis avec le gars? Hein? Non. C'est mon ami. C'est mon ami. Toi, tu es encore jalouse pourquoi? Une femme qui allait dormir dans le lit d'un homme marié le jour du mariage, maman. Tu as dormi au milieu. Le gars t'a touché, il t'a touché. La touche pas de ça. Tu ne voulais pas sortir de la chambre, c'est de ma faute. Trouve-toi un mari. C'est quoi avec mon nom? Je t'enseigne ici, t'es boblique. Tu es écarté, tu es envoyé partout. Il y a même d'autres dans mon téléphone ici, là. C'est vrai, tu as une belle poitrine. À plaque à tomber. Tu me veux quoi?
Tu me veux quoi? Quand vous étiez en train de faire vos histoires pour Nias là-bas partout, j'étais là. On t'a déjà dit qu'un gars m'a Nias là-bas derrière les toilettes quand vous étiez en train de faire là? Non. Si tu es une femme, hein, ma chérie, pas les bébés que vous parlez parce que vous faites comme les cassants. Parce que les Arabes sont forts en groupe. Tu comprends, non? Venez à Caen le 25. Tous les anciens prisonniers du Cameroun, les anciens prisonniers d'Afrique, les Bangando, les vrais Bangando, il faut venir à Caen. C'est un défi. Ce n'est pas le bébé qu'on dit là. Je ne signale rien à la police. J'ai dit que, hein, j'aurais entendu que tu cherches les papiers, vous voulez chercher l'asile politique. Va demander comme un PD, comme tout le monde, pour, comme un double SIM. Va dire qu'on te niaçait au pays, tu as fui, tu es venu ici. Les gens demandent le kaolo comme ça. Tu crois que c'est en courant partout là que tu vas faire quoi à qui? Vous croyez que j'ai peur de vous? Tu es sérieux? Est-ce qu'il me menace, hein? Si tu ne parles pas pour Martinez Ogo, tu ne parles pas tous les jours. Je parle tous les jours par rapport à quoi? Je me suis indignée à ma façon. Celle-là, tu cherches la Stamania depuis. Si on cherche les gens qui ont mangé l'argent du gouvernement, on dit que ton oncle était là-bas. Mais il t'a vu donner 100 euros à un homme. Les enfants, soi-disant les familles des anciens riches, qui donnent 100, même moi, je n'ai rien. Mais on ne peut pas dire que ma faute. Tu as donné 100 euros au boxeur ou 50 euros à un homme. Une femme qui a 50 euros à un homme, maman, et tu veux qu'on te gnasse 50 euros, 100 euros. Tu pleures quoi? Quand vous étiez en train de faire vos... Vous avez discuté l'argent ici, tout le monde a vu. Tu me veux quoi? Donc tu n'as pas oublié alors que je t'ai toujours respecté. Parce que tu es une ancienne abeille. C'est quoi? Toi, tu portes ton taculot, tu dis que tu vous avez venu me boycotter à Caen. Je suis aux États-Unis, New York, Atlanta. Ça dit que ma tournée, c'est jusqu'au mois de juillet. Je serai même en Angleterre, à Londres. C'est quoi? Non, c'est vous qui avez beaucoup, c'est vous qui cherchez les poumons aux gens. Il n'y a plus les histoires qu'on court, que la base s'est montée, s'est descendue là. Vous cherchez les problèmes seulement aux gens. Pour vous faire voir, pour vous faire fabriquer. Certaines personnes, pas tous ces gens. Moi, je n'ai rien contre votre groupe. Hein. Mais il faut arrêter de vous attaquer aux personnalités comme moi. Parce que c'est une personnalité. Oui. Parce que vous voulez vous faire voir avec mon nom. Mais je ne vous calcule pas. Je n'ai pas envie de vous répondre. Pas parce que j'ai peur de vous, mais parce que j'ai du respect pour votre groupe. Mais restez loin de moi. Donc, je vous dis donc que le 25, je suis à Caen. C'est de ça qu'il s'agit. Mais attends, les gens qui se lèvent, c'est des habits. Mais moi, je ne comprends pas. Une femme doit être pudique. Franchement, vous ne voyez pas que j'ai trop changé. Tout le monde m'a dit, moi, faut calme-toi. Mais depuis que je suis calme, vous ne voyez pas que je suis trop calme. Je suis en train de vieillir, mais je vieillis bien là. J'ai 43 ans. En septembre, j'aurai 44 ans. Laissez-moi chercher mon mariage tranquille. C'est quoi? Vous voulez tout que vienne sur Facebook, je crie fort pour que personne ne m'épouse. Maman, si tu as fini seule, que personne ne t'a épousé, moi, j'ai encore une chance. J'ai encore la chance que quelqu'un me voit, même que vient être même deuxième femme ici. Je vais prendre avec deux mains. Si ta part est déjà grillée, mamie, colle-moi la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toi, le chef de gang, hein. On dit comme ça au Cameroun, là, hein, ça va chauffer. Abimte. En passant, je voulais saluer le père des jumelles. Le père des jumelles, Jean-Louis Messan, le père des jumelles, mon ancien papou, mon grand frère, tu as fait fort hier. Tu as fait le direct des directs. Tu n'as pas donné le lait à l'artiste là, l'autre artiste, elle ne prononce pas son nom. Une mauvaise personne que je la connais. Une mauvaise personne, tu l'as eu. Tu comprends, le père de jumelles, tu as fait un direct comme ça. Regardez-moi celle-là. Une personne qui mange avec les ministres depuis, hein, elle a déjà mangé avec les ministres dans tout Yaoundé. Mais elle est en bain, dans le vieux, on reste chez le blanc. Avec tous les marabouts de la maison verte, la maison rouge, la maison jaune. Elle vient parler, quoi. Tu n'as pas honte. Tu te ferais mieux de la boucler. Tu me la boucles.
Mais il fallait me la boucler. Tu parles quoi? Les gens du CNL, il faut convoquer l'artiste, les une deux côtés. Non, je te donne les mains. Une menteuse. Menteuse jusqu'à ne jamais oublier le jour que j'étais soutenue, j'étais avec toi. Après, tu as voulu commencer à faire comme si tu me commandais, maman. Que tu vas me diriger, tout ça là. Par rapport à quoi? C'est toi qui m'as amené en France. Dès que j'ai dit que non, tu es tombé derrière les gens des faux profits pour me clasher. Ça t'a amené où? Tu es devenu. C'est-à-dire que le père, tu prends d'abord une personne, une ancienne folle. Une personne qui a marché. Une personne qui est sortie avec les gars qui débarrassent dans les restaurants. Elle peut dire quoi de bon? Elle te présente quelqu'un quand ça marche, elle n'est pas encore derrière gâtée. C'est comme ça qu'elle est. Jalouse jusqu'à le feu sort. Elle parle quoi comme ça? Elle n'a même pas honte. Hush! Le sang de Martinez Zogola, non. Votre propre frère. Avant d'être Camerounais, c'est votre frère. Ce qui est sûr, que vous avez tué votre propre frère. C'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas que tu étais devenue blogueuse? Au lieu de chanter, tu as dit que tu étais blogueuse. Tout le monde attendait ici que blogueuse. Tu étais devenue blogueuse, non? Mais sors, tu es blogueuse, sors, donne ton avis. Sors, donne ton avis. On t'a posé les questions. Tu es tombé net, net. Dès qu'on veut parler, parce que vous taillez les pipes aux gens. Dès qu'on veut parler, vous partez tailler les pipes aux gens. Tu crois que tu es la seule qui peut tailler une pipe? D'ailleurs, même tu es déjà vieille, tu portes maintenant que le dentier. Tu peux encore sucer qui? Hein? Jusqu'à... Non, je ne voulais pas entrer dans les sectes. Et le Bénin que tu... Hé, hey, maman, je n'ai pas voulu donner le Congo, ça que tu avais dit sur la première dame. Je garde ça, hein, là-bas. Tu étais devenu ici, là, que... Tu n'as pas fait une sortie pour ton frère. Tu viens raconter quoi? Le mbrakate, la honte, tu pleures quoi? Les larmes du crocodile. Une personne qui a saboté son propre frère. Hein? Hush, la honte de ça. Une gars d'abord qui sort le même gars que sa sœur. On comprend ce qu'on comprend. Hein? Je vous donne les mains. Ça veut dire que tu t'assois ici. Moi, je ne comprends pas. Oh, je suis belle. Les femmes qui sont belles là. Mais pourquoi on ne vous épouse? Moi, je ne comprends pas. Hein? Pourquoi toutes les filles là qui sont trop belles là, elles n'ont personne dans leur vie? Le français de ça, ma part dépasse ta part, maman. Mon français dépasse ton français. Hey, hey. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Tu sais ce que tu as fait à Ancien Yam? C'est pas toi qui avais présenté. Tu es tourné derrière. Tu as tourné, tu as encore dit quoi? Une mamie Congo. Ça, quand vous la voyez, les gens qui parlent que Dieu, Dieu, Dieu. Une personne qui a deux sexes. Go, je respecte la mémoire. Mais tu écris. Hein? Tu ne bavardes plus. Hein? On dit qu'on a tué Martinez Zogo. Tu as dit que quoi? Go, tu es la dernière personne. Ça dit que c'est vraiment nous les illettrés. Il y a quand même un problème. C'est que l'école est bien. Hein? L'école est bien. Parce que vraiment, il y a les choses que qu'on veut faire même. On demande même conseil, non, maman. L'école est bien, hein. Vraiment, on sait que l'école est vraiment bien. Parce que les illettrés, ils font toujours des erreurs. Hein? J'avais parlé aux deux. Donc, au fait, qui m'appelle? Ouais. Oui, j'ai d'abord... Ça veut dire qu'une façon de montrer que tu es trop... Ça veut dire que tu es tellement intéressante. Les anciens... L'ancien argent qu'on avait donné, là. L'ancien argent qu'on avait donné... Tu as mangé ma part qui était sur ça. Oui. L'ancien dos qu'on t'avait donné là-bas de partager, tu avais donné. Avant, hein, avant, quand on défendait les hommes lourds, des hommes lourds, là, avant là, quand il sait pas, il y avait un truc qui était passé. Tu as acheté le terrain, tu as dit comment avoir acheté le terrain à une autre là et tout. Moi, j'avais entendu un Congo ça, comment faut. Il y avait ta part sur ça, elle a dit qu'on ne te donne pas. Tu as mangé, ça a changé quoi sur toi? Tu as me donné ça. L'ancien argent qu'on avait donné là, tu m'as donné rien.
Tu es parti acheter bah, les terrains, les ceci, cela. Parce que vous avez mangé l'argent des hommes là, des hommes là. Tu n'es pas la seule. Hein? On dit pour avant, hein? Tu as déjà mangé jusqu'à là où tu es là, non? Tu es coincé. Que tu ne... Ça veut dire que quand tu t'assois comme ça, là, tu ne sais pas quoi dire. Tu oses prendre ton téléphone même pour appeler. Tu crois qui a confiance en toi là-bas? Tout le monde sait que tu es... Oh, tout le monde sait que tu es comme ça. Oui. La honte t'a pris. L'autre, qu'est-ce que tu as posté? Tu as posté l'autre jour sur ton mur. Tu as posté quoi? Tu n'as pas honte. Tu devais avoir honte. Parce que la première traite, c'est toi. Quand tu es passé là-bas, tu crois que c'est monté, c'est descendu. Tu es passé là-bas, la première traite, c'est toi. Oui. Dès que tu vois que quelqu'un, homme leur dit bonjour à quelqu'un, tu sors, tu es une double face. Tu es un danger même pour les artistes. C'est pour ça que ta gueule, tu chantes quoi? Elle chante quoi? Ton lait clip que tu as fait, ça veut dire que c'était dans les bois, on dirait qu'une personne qui part, ça veut dire qu'on dirait que les prêtres vaudou qui sont en train de marcher dans la forêt. Quand ça te dépasse, tu ramasses les anciens chauves à chanter. N'importe quoi. Tu crois que qui ne te connaît pas? Il faut voir comment elle tremble là-bas, la voix. C'est que. Il fallait me la boucler. Il fallait te la boucler, te la fermer. Les riches de ça. Quand tu avais partagé l'argent là, ils n'ont du shame. Prenez les téléphones, vous mettez, vous défendez. Vous avez dit que, vous savez qu'ils sont allés au Cameroun faire le Congo ça sur moi. Que oui, mais envoyez-moi les étoiles, pardon, je ne vis que de ça. Ils étaient allés faire le Congo ça sur moi. Parce que Zonlo avait vu aussi ma vidéo, que je l'avais défendue d'abord avant là. Ils sont allés dire que non, Flore, c'est une mauvaise personne. Quand je devais passer à Vision 4 même là-bas, pour rehausser la chaîne. Elles ont appelé là-bas pour dire qu'on ne me reçoit pas. Le jour que je passais, votre patron m'a regardé en direct là et que non, contenez. Flo, Ezana Flo de Lille. Viens parler, on voit. Tu as acheté un terrain, non? Depuis que tu avais insulté ma mère, tu as voulu, tu m'as vu avec Sergio Polo. Tu as commencé comment sa mère était trop pauvre, c'est monté, c'est descendu. Votre maison, maman, avec tous les ministres que tu as sortis, tous les milliardaires, la maman, ce qui m'étonne, c'est que hein, votre maison, c'est une petite maison rose. Ça dit qu'une petite maison comme ça, où on tape le tam-tam devant là-bas ensemble, je connais. Ça va te rendre folle. Je dis les choses que tu vas commencer à faire les directs demain. Parce que tu es mauvaise jusqu'à. On est en train de pleurer que tu viens accuser. Donc toi, tu viens. Tu accuses un mort. C'est-à-dire que tu es là. Tu... C'est lui qui avait fait que. C'est lui qui avait fait que. Tu as laissé tes deux frères où? Tu n'es jamais entré dans les sectes. Tes deux frères sont où? Explique aux Camerounais. Dis-nous. Explique aux Camerounais. Vous savez que sur Facebook, tant que tu ne prononces pas le nom, je ne prononce pas, j'ai peur. Hein? Tes deux frères sont où? C'est le caleçon de qui que tu avais amené au Bénin? Tu connais. Même comme ça, la chanson n'a pas marché. N'importe quoi. Le sang de Martinez, que ça tourne ta tête, ça te porte, ça te lance, bim! Tu as entendu? Espèce de traître que tu sois. Une traître. Tu as vendu ton frère. Non, la femme est trop mauvaise. Ça dit que hypocrite, ça dit que. Non, mais attends, tu la boucles, tu ne peux pas, tu la fermes. Tu as un mur. Tu as dit quoi de bon? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi de bon? Ce qui est sûr, la vérité va sortir. Et la tombe de Martinez Ogo sera un endroit au Cameroun où les gens vont aller se recueillir. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Que wow, je ne suis pas ce que vous tous, nous tous sommes sur Facebook, tout le monde nous regarde. Oui, ça sera un endroit de recueillement au Cameroun. Parce que hein, l'affaire là, quand on dit que personne ne parle, que personne ne parle, que personne ne parle, l'affaire là, la vérité va sortir.
La justice divine existe. N'importe quoi. On laisse comme ça. Continue, hein. Maintenant, demain, comment se les dire? Tu nous expliques d'abord où tu as laissé tes deux frères. N'importe quoi. Chose là. Pardon, allez là-bas avec ça. Les gens, on va parler d'un sujet ce soir. Faites-moi signer. Ce soir, je suis venue parler d'une blessée de guerre. Je suis venue parler d'une dame, d'une jeune fille qui a mal. Qui a très, très mal. Elle a mal parce que ce qui se passe dans sa famille, c'est du jamais vu. Du jamais vu dans la nation, du jamais vu. Elle va parler tout à l'heure. Mais je vais d'abord introduire. La jeune fille qui va parler tout à l'heure, c'est une blessée de guerre. C'est une jeune fille qui a mal. Elle a mal pourquoi? Elle a mal parce que sa soeur a pris son mari. Sa soeur a pris son mari. Mes chers frères et sœurs, le gars est aux États-Unis, à Houston. Petit, il est à Houston. Le gars même, le concerné même, il est à Houston aux États-Unis. Avant d'aller aux États-Unis, il a vécu à Edea avec sa copine maritalement. Ils ont deux enfants. Pendant qu'il était au Cameroun, comme ses parents sont aux États-Unis, on a fait sa part de Kaolo. Ça a donné. Avant d'aller aux États-Unis, c'est la fille avec qui il a deux enfants qui l'a accompagné. Ils ont vécu à Edea maritalement dans la même maison. Ils sont des écas. Elle est partie à Douala. Elle a accompagné son gars. Vous savez, quand tu viens en Europe, on ne sait jamais ce qui est devant. Tu peux promettre arriver si la vie change. Vous savez qu'il y a les conditions de main que personne ne connaît. Donc, quand tu promets le mariage, l'aventure que vous voyez là, quand tu pars, prie seulement Dieu que la personne revienne t'épouser. Entre-temps, la personne qui est là-bas aussi prie Dieu que quelqu'un d'autre ne vienne pas te ramasser. Sinon, la vie, c'est là, ce n'est pas facile. Mes chers frères et sœurs, la jeune fille qui va parler, elle a deux enfants avec son homme. Deux enfants de bas âge. Vous savez, quand tu vas à l'aventure, quand tu vas à l'étranger, que tu as une femme et enfant en Afrique, de temps en temps, vous avez des problèmes. C'est normal. Il y a des crises de jalousie. Il y a des crises de jalousie. Tu es avec qui? Est-ce que tu m'as trompé? Les trucs comme ça, ça ne manque pas dans le couple. Entre-temps, le gars aussi là-bas, il se cherche. Alors, elle a sa soeur. Quand je vous parle de sa soeur, en fait, c'est l'enfant du frère. En fait, quand je vous parle de sa soeur, c'est sa cousine directe. Parce que son père et le père de cette fille sont les enfants d'une même personne. Vous voyez donc, c'est sa soeur. Et c'est celle avec qui elle s'entendait le plus. C'était sa confidente. Mes chers frères et sœurs, comment la fille a découvert que il est comme ça, sa soeur a pris son gars. Un jour, elle va chez sa soeur. Sa soeur dit que, je vais te montrer quelque chose dans mon téléphone. C'est comme ça qu'elle prend le téléphone. Après, elle remarque la cuisse de son gars. Elle remarque une photo, la cuisse d'un homme. Elle regarde que, merde, ce n'est pas le père de mon enfant ici, là, dans ton téléphone. Le père de mon enfant fait quoi dans ton téléphone? La fille était si, elle dit que, attends un peu. Dis-moi un peu, le père, la photo, comment tu as eu le contrôle, le père de mon enfant, ça cherche quoi dans ton téléphone? La fille lui jongle comme ça. Elle jongle, elle jongle. À l'heure où je vous parle là, elle a pris. Jusqu'à dire qu'elle va se marier avec. Elle a pris. Mes chers frères et sœurs, détruire une famille comme ça. Le gars, toi tu es aux États-Unis. Tu sais que je vais mettre ta photo. Si la fille là n'arrête pas, je vais mettre ta photo. Et sans vous mentir, mes chers frères et sœurs, cette fille... C'est sa cousine, effectivement, cousine, ses soeurs. Cette fille qui a pris le mari de sa petite soeur.
les gens. Elle est comme ça, la deuxième femme d'un homme. Elle est mariée, dotée. Je ne vais pas dire le nom du monsieur parce que c'est une grande, c'est un monsieur responsable, c'est quelqu'un de connu. Pas connu, mais c'est quelqu'un qui a sa vie tranquille. Parce que ce monsieur est marié officiellement avec sa femme. Il est marié, hein? Officiellement monogamie, mais il est marié. Il est parti se marier avec Sanjumba. L'acte de mariage, ils ont fait une place à deux. Je ne vais pas mettre le monsieur là. Je ne vais même pas prononcer son nom. Parce que si elle prononce son nom, sa femme va porter ses bagages et partir. Aujourd'hui, le mariage va finir. Eh, les hommes en Afrique, pourquoi vous êtes malhonnêtes? Pourquoi vous êtes comme ça? Comment tu peux être officiellement marié? Tu peux encore doter une femme en cachet jusqu'à vous faire l'acte de place. Donc, celle qui arrache le mari de sa soeur est mariée. Elle est dans la polygamie avec un Bamileke. Maman, si tu as choisi la polygamie avec un Bams, vis ta polygamie, non. Tu es une Jumba d'un homme. Il est officiellement marié. Personne ne te connaît. Sa famille ne te connaît pas. Tu as accepté la situation. Il t'a épousé. Vous avez fait l'acte de place sans ta famille. Je n'ai pas envie de dire son nom. Parce que pas que ça pète chez lui là-bas. Tu viens briser. Tu es une briseuse de foyer. Tu es une briseuse de couple. Si tu ne laisses pas. Si tu ne laisses pas. Parce que ta soeur, libre, le gars peut aller faire sa vie en cachette. Il peut aller épouser quelqu'un d'autre. Il peut faire sa vie, mais pas avec toi. Parce que c'est la famille. Ça ne se fait pas. Nous sommes des Bantous. Tu penses aux enfants? Jusqu'à renvoyer les enfants au village, mes chers frères. Les enfants sont rentrés à Ezeka. Les enfants étaient à Douala. Les enfants sont, les enfants sont maintenant au village. La fille a mis la barrière qu'on ne donne plus rien à sa soeur. Les enfants sont au village, en train de souffrir. Voilà ta soeur. Elle n'est même pas chez elle. Elle est allée ailleurs parce qu'on a coupé la lumière. Elle n'a même pas l'argent pour payer. Le gars ne lui donne pas. Le gars ne paye même plus la lumière. Le gars ne paye. Elle n'a même pas l'argent pour payer la lumière. Une mère qui a fait deux enfants, est-ce qu'elle doit vivre dans l'obscurité? Est-ce qu'elle doit avoir faim? En passant, vous les gens du Cameroun là, il y a Cabral. Cabral Libye qui fait la marche pour l'électricité. Il fait la marche contre Eneo. Que Eneo remet-nous notre lumière. Mais levez-vous, allez marcher avec lui. Si vous êtes dans vos droits, ce n'est pas la politique. Voilà Cabral. Quand on coupe la lumière, vous êtes là dans les bars, en train de boire avec les lumières de portable. Voilà Cabral qui est en train de dire que allez marcher pour réclamer que notre électricité. Levez-vous, allez marcher. Allez marcher pour ça. Donc vous restez, vous pensez que c'est la diaspora qui va aller marcher. Ici en Europe, on n'a pas de problème, hein. Non, non, on n'a aucun problème. Ici, tu n'as. Non, on ne coupe pas la lumière en France. On ne coupe pas la lumière. On ne coupe pas la lumière. Levez-vous, allez marcher pour que Eneo vous donne la lumière. C'est quoi? Donc, c'est tout la diaspora qui va courir les risques pour vous. Vous-même, vous êtes là au Cameroun. On dit que voilà Cabral qui a lancé. Allons marcher pour notre électricité. Levez-vous, allez l'accompagner en marche. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous êtes assis, on coupe la lumière chaque seconde. Vous prenez, ça dit qu'on coupe la lumière, mais il faut voir la facture de ça. Quand la facture vient, c'est beaucoup. La facture, la lumière, elle est beaucoup. Eneo a déjà brûlé les maisons. Eneo a déjà fait beaucoup de mal aux Camerounais. Mieux, c'était A.R. Sonel. Allez me lever, allez marcher avec Cabral. Et vous croyez que vous avez le droit de marcher pour réclamer que Eneo rend-nous notre électricité. C'est quoi? Hein? Vous restez là, si on va maintenant à la rue de la Joie, on va vous voir en train de boire les Guinness avec les lumières de portable. Donc pour vous, quand vous pensez que la vie se limite seulement à boire l'alcool, la vie ne se limite pas qu'à boire, mes chers frères et sœurs. Vous avez le droit de réclamer, il faut voir l'électricité de ça, la facture. Il faut voir quand la facture de lumière, tu ne peux même pas, on vient couper, on enlève même le compteur. Mais quand il faut payer, vous payez une lumière que vous n'utilisez pas. On coupe la lumière chaque seconde et vous payez. On vous demande que levez-vous, allez marcher. Vous préférez rester dans l'électricité. Vous allez manger les cafards dans la sauce un jour. Hein? Vous allez marcher, vous allez manger les cafards un jour dans la nourriture parce qu'il n'y a pas la lumière. Pourquoi vous n'aimez pas pleurer votre sort vous-même?
ne peut pas tout faire pour vous, je suis désolée. On ne peut pas tout faire pour vous. J'ai comme l'impression que vous ne voyez pas la souffrance que vous vivez. Non. Vous pensez que tout va bien. Vous achetez les petites lampes comme ça, vous marchez avec le briquet. Les bougies, ça cause des accidents. Les bougies, ça brûle. C'est quoi? Mais levez-vous pour vous-même. Les panneaux solaires, même là, il y a les gens qui ont commencé que les panneaux solaires, tout ça là, ça ne marche pas. On ne peut pas tout faire pour vous, je suis désolée. Vous les gens d'Afrique là, du Cameroun là. Parce que ici là, nous on a, nous on ne manque de rien. Si c'était que Bengla, non, nous on ne manque de rien. Tu même, on t'enterre même, on te jette même quelque part ici dans un cimetière. 10 ans arrivent, on retient, on met quelqu'un d'autre. Au moins tu ne vois même plus. Vous êtes là, vous ne pleurez pas votre propre sort. Nous sommes en Europe. On n'a aucun problème. Même la nourriture, on n'a pas faim ici. L'alcool, alors, c'est versé ou ouais. Oui. Ouais, j'ai peur. Un petit truc. J'ai peur. Oh, on a peur. On a peur. Vous mentez. Vous avez peur de quoi? Les gens marchent au camion, on les fait rire. Quand il faut boire dans le noir, vous buvez. Vous, c'est vraiment triste, hein? Parce que moi, je vois les gens de la diaspora qui courent même pour vous au pays. Là, vous n'en... Non, 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 ça ne vous dit rien. Pour vous, tout va bien. Non, ça ne vous dit rien. Vous ne pouvez pas marcher pour Enéo. Cabral, même qui est député, il dit qu'il sera devant. Vous voulez seulement qu'on vous paye les t-shirts, on vous paye la moto, on vous donne l'argent, on vous donne les grains de riz et le poisson pour vous flatter. Par rapport à quoi? Quand tu te combats pour toi, pourquoi on va vous flatter? Pourquoi on va essayer de vous corrompre, de venir marcher pour votre propre bien? Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça pourra marcher demain ou après-demain. À force d'insister, de marcher, pour finir, il y aura quelque chose, il y aura autre chose. Il y a les Camerounais qui peuvent venir même, on privatise l'électricité, ils commencent à fabriquer des trucs pour donner l'électricité aux gens. Hein? Ici en Europe, nous n'avons aucun problème, hein? L'alcool ici, alors, c'est versé. Ouais. C'est-à-dire que nous tous, on saoule. On est des soulards ici, là. Tous les soulards. L'alcool, c'est rien. La nourriture, tu as faim. On te dit que va prendre là-bas. On nous soigne ici, Njor. Donc, nous, on tourne comme ça, là-même. On te dépanne même encore un peu. Donc, vous ne pouvez pas vous mentir. Ben, est trop bien. Si nous, on vient même en Afrique, c'est pour vous. Sinon, si ce n'était que nous, c'est vous qui découragez les Camerounais qui arrivent à la diaspora. Ils disent qu'ils ne rentrent plus jamais là-bas. Il y a les gens qui arrivent, ils éteignent leur téléphone, ils jettent ça dans la mer. Ils ne rentrent plus jamais derrière. Parce que vous découragez trop les gens. Non, vous découragez beaucoup. Vous n'encouragez pas. Vous êtes seulement assis, vous connaissez des sacrifices que les gens font. Vous asseyez, on vous donne tout. Non, c'est bon. Vous êtes toujours là, assis dans les carrefours, en train de boire, de manger. Vous mangez 5 fois par jour. Vous mangez les 5 fois par jour. Ici en Europe, c'est pas qu'il n'y a pas la nourriture, mais il y a des personnes qui travaillent tellement, ils n'ont même pas la force de manger 2 fois par jour. Mais vous, quand vous mangez 3 fois, il faut voir les plats de petit déjeuner, ça dit qu'à 6 heures, et puis vous avez aussi un truc là que vous aimez appeler les gens très tôt le matin. Si vous ne dormez, je ne sais pas si vous vous réveillez vite, c'est votre problème. Donc, il faut aussi arrêter d'appeler les gens très tôt le matin. Si vous vous réveillez tôt là-bas, arrêtez de biper les gens. À 5 heures, c'est pas dès que vous voyez la lumière, le soleil, vous commencez à appeler les gens qui dorment, qui se reposent. On vous doit quoi? On ne vous doit rien. On ne vous doit rien du tout. Ok, quand on vient là-bas au pays, parce qu'on a trop, il y a trop quoi là-bas. On vient seulement parce que quand tu es d'origine d'un pays, tu vois ton pays te manque. Mais sinon, il y a quoi? Il y a trop quoi là-bas en fait? Il y a trop quoi qui peut donner envie quoi? C'est seulement venir aller manger au poisson braisé. On mange même ceci. Il y a même les rues de la joie ici en Europe. Dans les champs. Le Njokaki ici, il n'y a pas ça là-bas. Donc, essayez de vous prendre un peu au sérieux là. On ne peut pas tout faire pour vous. On en a marre. L'autre jour, j'ai reçu une facture de 30 000. On me dit que la lumière est venue 35 000. J'ai demandé que la lumière est 35 000. Que j'ai fait quoi? J'ai dormi là-bas combien de jours? On m'appelle pour me dire que la lumière est venue à 35 000. Moi, j'ai dormi combien de jours là-bas?
Une lumière qui s'occupait tous les jours. J'ai même mis le... Oh, c'est 35 000. 35 000 de quoi que je fais quoi? Donc, je paye la lumière plus chère au Cameroun qu'en France. Je ne comprends pas. 35 000 de quoi? Que j'ai fait quoi? On me dit que oui, tu avais mis le climatiseur. Tu as... Oui, et puis quoi encore? J'ai dit que qui retire le compteur, il part avec. Non, c'est une parenthèse, parce que les gens du pays, hein, même tous les Turcs, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont interdits d'aller au Cameroun. Hein. Tout ça là, parce qu'ils sont en train de courir les risques qu'on veut sauver ceux qui sont au pays, on va marcher parce qu'il faut le changement au pays, on va faire qu'on va faire que. Mais si ceux-là même, vous êtes là-bas, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Qui va faire à votre place? Qui? Toujours la diaspora, ce que vous comptez tous les jours, vous vivez tout par rapport à nous, que chaque mois, quelqu'un prend le cahier, il met à terre comme ça, il commence à noter. J'ai 5 amis en Europe. Si chacun me donne 30 000 le mois, regardez, il a 5 amis parce qu'ils ont tout, ils sont tous malades. 30 000 par mois, il compte sur ses 5 amis, ça fait son salaire, il s'assoit au quartier. Quand le mois fini, commence à appeler ses amis, l'invente, je suis couché ici à l'hôpital, ma partie est arrivée. Je fais des si tu m'aides pas, je meurs. Oh, pardon, la facture c'est combien? C'est 25 000. Parce que c'est que tu ne peux pas aller envoyer 25 000. Tu peux faire la queue pour envoyer 25 000. Ce qui est sûr, tu vas donner au moins même 60 000 que pour l'hôpital, pour manger. Tu vas donner au moins 100 euros. Il a 5 amis. Il mise sur 5. Si toi donnes, ça lui fait 300 euros le mois, ça fait un salaire. Il mange bien, il vit plus que toi. Vous êtes tellement ingrat. C'est-à-dire que hein, vous, les gens du pays, hein, vous allez m'excuser, mais vous croyez souvent qu'on est obligé. C'est pas parce que tu as été ami avec quelqu'un en Afrique, tu es venu en Europe, que tu es obligé de lui donner. On ne peut pas tout le temps vous donner, je suis désolée. Vous connaissez comment on souffre ici? Et quand même bien, même tu envoies, c'est toi qui appelles encore. Oui, excuse-moi, est-ce que tu as reçu? C'était pour savoir pour quitter ici. Parce que si je pars, après, si le nom a un problème, parce qu'ils ont toujours un problème qu'ils envoient avec une lettre qui manque. Tu fais le tour. Ça te fait une journée, tu ne peux pas travailler à cause d'aller s'aligner à Western New York. Tu as eu, quand ils n'ont pas eu. Allô, allô, ils t'appellent même quelqu'un. Allô, oui, c'est moi qui t'appelle. Je n'ai pas eu, je n'ai pas eu. Oui, on dit qu'on ne me donne pas. Il y a quoi? Non, le nom n'est pas bien écrit. Mais c'est toi qui m'as donné, non? N'est-ce pas, tu m'as donné le nom? Oui, pardon, excuse-moi, j'ai mal écrit. C'était l'erreur de frappe. Seigneur, quand je t'écrivais, c'est mon doigt qui a fait l'erreur. Et puis c'est parti, le mépris de ça. Vous méprisez les gens qui sont ici, là. Ce n'est pas obligé. Vous harcelez les gens quand vous avez les problèmes. Dès qu'on vous donne, vous tombez dans les susongos. Vous attendez encore le mois, vous cherchez encore un autre truc. Il y a deuil, quelqu'un vient de mourir au quartier. Mais arrêtez un peu. Vous croyez que quoi? Tellement ingrat, c'est toi qui appelles. Hein? Oui, oui, j'ai déjà pris. Je te rappelle après, c'est fini. Jusqu'à on ne t'appelle plus. Vous croyez souvent que vous n'aurez plus jamais de problème. Je vais t'appeler, je vais t'appeler. Déjà assis au bar. En train de jouer aux riches. Voyez, tout ça là, si je vous dis, avant je comptais beaucoup les... J'avais les papiers comme ça quand je venais d'arriver en Europe. J'avais trop de papiers de Western Union, de ceci que j'envoyais aux gens. Même aux voisins, aux gens que je ne connais même pas. Ça ne voit plus mon pied. Oui, on te bloque partout parce que... Oh, non, ce n'est pas qu'on ne veut pas vous aider. Le problème c'est que hein, vous ne nous encouragez pas. J'ai les problèmes de connexion. Oui, on a coupé la lumière. Je voulais t'appeler. Oui, mais c'est que le Seigneur, c'est Dieu seul qui va te rendre. Vous allez tomber dans le susongo. Bref, c'était juste une parenthèse. Pour vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est venu en Europe. Vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Et puis, c'est vous qui sabotez les gens. Oui, c'est vous qui sabotez les gens. Oh, elle fait même quoi là-bas en Europe? On dit qu'elle fait la bordelerie. Ça dit que c'est vous qui, parce que vous êtes toujours en train de voir le mal. Quand elle donne quelque chose aux gens, elle aime trop demander ce qu'on a fait avec. Quand elle donne à quelqu'un, elle veut trop appeler. Pourquoi? Blessé de guerre n'est pas en peau, chérie. J'attends parce que on a coupé la lumière, donc elle était en train de marcher. Ce n'est pas en pause. Et ici, sur ma chaîne, on n'est pas pressé. Ce n'est pas toi qui m'as mis la connexion.
Quand vous demandez les chantiers, vous me donnez les chantiers. Ouais, mon Dieu, c'est pas possible. Dans les cœurs, sincèrement, on revient sur l'histoire de famille là. C'est une histoire qui pèse le cœur. Donc, je vais appeler la fille, elle va expliquer. Mais je n'ai pas posté les photos du gars. Je n'ai pas posté les photos des concernés. Je n'ai pas posté les photos de l'homme marié. Parce que... Ok. Ok, ma chérie. Est-ce que je peux t'appeler là tout de suite si tu es positionnée? Donc, du coup, c'est quelque chose qui est très... C'est une histoire très triste, très dure. Donc, on va l'écouter. On avait coupé la lumière. Donc, du coup, elle est en train d'aller dans un autre quartier où il y a la lumière. Pour pouvoir... Elle voulait, voilà, pour pouvoir appeler. Donc, parce qu'on a coupé la lumière, c'est pour ça que je suis venue sur l'histoire de Cabral, en disant qu'il y a Cabral, Libby, le député honorable Cabral, qui a lancé une marche, où c'est quelle date même là-haut? Il y a une marche, c'est par rapport à la lumière. Comme elle m'a dit, on a coupé la lumière, que tant que le député Cabral a lancé que aller marcher pour dire que oui, électricité. C'est comme ça qu'il a. Oui. Ok, j'appelle. Hein. Je ne veux pas l'appeler en vidéo, je ne veux pas. Allô? Allô? Oui, s'il te plaît, baisse. Si tu es à côté de quelqu'un qui a le direct, il faudrait que la personne quitte et baisse complètement. Le récepteur, tu vois. D'accord. Ok, très bien. Là, je t'entends bien. Donc, okay. Tu vas dire bonsoir et on va t'écouter. Ok. Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ma famille. Bonsoir à mes amis de près ou de loin. Déjà, c'est une histoire qui est très compliquée parce qu'il s'agit de la famille. Il s'agit de la famille. Et pour moi, je suis déçue, très déçue et triste. Je vais essayer de vous raconter ce qui se passe réellement. Bon, je suis dans une famille où nous sommes tellement nombreux. Nous sommes tellement nombreux et l'histoire du père de mes enfants, c'est... J'ai mal quand je raconte ça. J'ai mal. C'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des années et des années. Des années et des années. On a des enfants. Mais je suis arrivée à Douala, mais vous connaissez les problèmes de couple, tout ça. C'est arrivé. Maintenant, ma soeur que vous entendez, qu'elle a pris mon gars, ma soeur qui a pris le père de mes enfants, c'est une soeur. C'est une grande sœur, en même temps une amie personnelle. Donc, elle a été ma confidente. Elle a été ma confidente. Donc, du coup, une fois, bon, tout ce que j'avais, même avec le père de mes enfants, même quand le père de mes enfants est arrivé au Cameroun, elle m'a appelée pour m'informer. Mais que, ouais, c'est comment? Parce qu'elle m'appelait ma fille et moi, je l'appelais ma mère. Malgré que nous sommes sœurs. Elle m'appelle, elle me dit que tu es au courant que ton gars est là. Je dis, oui. Elle me dit que voilà, mais s'il ne cherche pas à te voir, ne force pas, je dis qu'il n'y a pas de problème. En fait, c'était ma confidente. J'étais tout le temps avec elle, savait qu'elle que je marchais. C'est elle qui connaît toute ma vie. Donc, c'est chez elle que je me confiais, en fait. Maintenant, une fois, je suis allée chez elle. Elle était en train de me montrer un truc dans son téléphone. Je vois le nom. Vous allez m'excuser, je vais prononcer le nom du gars. Je vois le nom Albert. Et moi, je m'appelle Vichy. Je vois Albert de Vichy. Je l'appelle, je lui dis que, mais la mère, qui est Albert de Vichy dans ton téléphone? Elle me dit que c'est le père de tes enfants, non? Je dis, ah, comment se fait-il que tu as son numéro? Ça s'est passé comment? Toi, tu le connais où? C'est quoi? En fait, elle me dit que c'est son cousin qui est venu à la maison. Le cousin du père de mes enfants, c'est lui qui est venu à la maison. Et comme ce petit n'a pas l'Android, il a demandé le téléphone à ma grande sœur. Et ce petit,
Ça, donc la tante du père de mes enfants est en mariage chez nous. Donc ses enfants et nous, nous sommes tout, en fait, nous sommes tout le temps ensemble. C'est comme ça qu'elle m'explique que c'est l'enfant qui a laissé le numéro dans son téléphone. Donc, je n'ai pas, bon, je n'avais pas peur. Je savais que c'était ma grande sœur. Donc, du coup, j'ai laissé l'affaire comme ça. On a continué ensemble. Peut-être après 2 mois, je vois, elle poste la cuisse du gars. Je reconnais la cuisse de mon gars. Je l'interpelle en disant, elle revient me dire, c'est qui? Je dis que je ferme la bouche, je pars chez sa grande sœur, celle qu'elle suit directement. Je pars chez elle, je partais l'aider. J'arrive chez elle. Je commence à l'expliquer que mais j'ai vu un truc que Poupine a posté. Sa grande sœur me confirme que oui, et elle sort avec un gars qui vit aux États-Unis au nom de Albert, tel. Je dis, la mère, puisque mon autre cousine là ne connaissait pas le père de mes enfants. Parce que la vie que j'ai menée avec lui a été, il y a certains de mes soeurs qui ne le connaissaient pas, mais bon, en fait, c'était comme ça. C'est comme ça qu'elle me dit que oui, elles sont avec un certain, que c'est le père de mes enfants. Elle avait le couteau en main. Elle a jeté le couteau. Elle me dit quoi? Je dis oui, c'est le père de mes enfants. Elle me dit que non, je ne te crois pas. Ta soeur ne peut pas sortir le père de tes enfants. Je lui dis que, appelle-la, tu lui demandes non. C'est comme ça qu'elle appelle sa petite soeur. Sa petite soeur confirme que oui, c'est lui. Sa grande soeur lui demande que comment tu peux faire une telle chose. Et Linda est toujours avec nous. C'est une petite soeur que même si on l'appelle à minuit, elle vient toujours vers nous. Comment tu peux trahir ta soeur jusqu'à ce niveau? Bon, ça a tourné comme ça a tourné. Je suis fâchée parce que je m'attendais à ce qu'elle vienne vers moi. Me dire que peut-être ma petite soeur, même me mentir. Que ouais, ma soeur, voilà, tu vois comment. Ton point de vue, c'est quoi? Elle n'est jamais venue vers moi. Je poste mes trucs sur mon statut. Elle m'a porté plainte à la PJ de Bonanjo. Elle m'a porté plainte en disant que je l'ai menacée de mort. Nous sommes arrivés à la PJ de Bonanjo. Toute sa plainte ne disait pas que ce dernier était le père de mes enfants. Elle n'avait pas mentionné cela dans la plainte. Elle avait dit mon ex-petite amie. Quand j'arrive, on me remet la plainte. Et j'étais avec mon autre Karine et mon autre cousine. Mes deux autres cousines, il y a une au nom de Karine qui s'appelle Zéna. Je pense qu'elle est même en direct. Et une autre qu'on appelle Odile. Nous étions ensemble. On m'a remis la plainte. J'ai lu. Je demande au monsieur, à l'enquêteur, que mais c'est quoi sur la plainte? Parce que je ne sais pas pourquoi je suis ici. Et comme je suis aussi impulsive, le monsieur m'a dit que non, calmez-vous, que monsieur ne me menaçait pas parce que la plainte ne dit pas exactement ce qui se passe. Il y avait une autre policière. La fille là me demande que qu'est-ce qui se passe. Je lui dis que c'est ma soeur ici. Elle-même, on lui demande que cette fille est qui pour toi. Elle-même précise que c'est ma petite soeur. Chose que je n'ai jamais vue. La policière me demande que le monsieur est qui? C'est ton ex-petite amie. Mais pourquoi tu empêches ta soeur de se marier avec ton ex-petite amie? J'ai dit à la policière que je suis dépassée. C'est le père de mes enfants. La policière a jeté le pic. La première question qu'elle m'a posée, c'est que tu as fait comment pour laisser la fille s'y arriver à la pêche sans que toi casser même son pied. J'ai regardé ma soeur, qu'on appelle Zéna. Zéna était tellement fâchée que tout le monde l'avait conseillé, tous les membres de la famille l'avaient appelé pour lui dire que tu ne peux pas prendre le père des enfants de ta soeur et c'est toi qui l'amènes encore à Bonanjo. Toute la famille était contre elle, jusqu'à présent, toute la famille est contre elle. C'est bon, c'est comme ça que l'enquêteur me tournait parce qu'elle avait payé l'enquêteur. Le monsieur disait qu'il va m'enfermer, tout ça. Tout mon autre soeur qui s'appelle Zéna, je pense qu'elle est en direct. Déjà, je lui dis merci pour son soutien. C'est comme ça que Zéna dit à l'enquêteur que tu ne me connais pas bien, tu ne peux pas tourner ma soeur pour une affaire de famille. Renvoie-nous dans notre famille, ça ne vous concerne pas. Elle dit que bon, moi je vais appeler le procureur parce que là, je vais vous montrer que moi je suis une autre personne. C'est comme ça qu'elle appelle le procureur. Le procureur demande qu'on déchire ça, on annule ça très rapidement. Ça ne doit pas avoir lieu là-bas. Et que ça doit rentrer dans la famille. C'est comme ça que le procureur aussi, c'est comme ça qu'on annule l'affaire. À la sortie, je l'ai calculée elle-même. Apparemment, on l'avait fait fuir. Elle n'était plus là. Donc on ne la voyait même plus, elle s'est cachée. Merde. Je suis restée tranquille. Les gens m'ont conseillé, j'ai mes grandes soeurs qui m'ont conseillé que laisse-la.
un jour, elle va tomber. Entre-temps, elle, elle a son gars qu'elle protège. Elle a son, elle a sa relation que elle, elle protège. Quand tu causes avec elle, elle te dit que personne ne peut avoir le numéro de son gars. Personne ne peut appeler son gars pour l'expliquer cette affaire. Et que même si tu appelles son gars ne va pas te croire. Que tu perds ton temps. Donc, elle fait ce qu'elle veut. C'est comme ça que l'histoire continue. Même dans nos réunions familiales, nous sommes partis avec l'affaire. Mais puisque nous sommes en famille, on a demandé que je laisse l'affaire. Qu'un jour, elle va tomber. Mais ce n'était pas fini. C'était devenu que, même à la réunion, quand je suis assise avec elle, elle fait l'appel vidéo avec le père de mes enfants, juste pour me narguer, pour me montrer que je ne suis personne. Merde. À côté de moi, elle lance l'appel vidéo. J'avais juste le cœur serré. J'avais juste... En fait, je suis juste une fille brave parce que je suis née comme ça. Il arrivait à des moments où je me lève comme ça. J'ai des autres cousines qui me disent, assieds-toi, laisse-la. Laisse-la faire un jour, un jour. Je supportais comme ça, là. Je supportais. Mais comme ça ne suffisait pas, elle passait tout son temps à salir mon nom sur le père de mes enfants. Maintenant, ce qu'elle a oublié, tout ce qu'elle a eu à dire au père de mes enfants, il est revenu me dire. Il m'a appelé, il m'a dit, oh, ta soeur t'a fait ceci, ta soeur a dit que tu as fait ceci, tu as fait ceci. Elle passe son temps à me salir, à me saboter. C'est comme ça que ces jours-ci, c'est sorti. Tout en incriminant un autre frère comme ça, là. J'interpelle donc mon frère, là, pour lui demander que, qu'est-ce qui se passe avec mon nom? C'est d'où il me dit que va demander à ta soeur qui a pris ton mari. C'est, elle est la mieux placée et sa grande soeur pour t'expliquer. Le gars, là, me dit que fais très attention, la fille, là, peut t'empoisonner. Parce que, à ce niveau, merde. Le gars, là, me dit que j'ai même honte. J'ai même honte de mettre pied au village à cause de vous, à cause de ce qu'elle fait. C'est comme ça que j'appelle une autre cousine. Je commence à dire aux membres de la famille que voilà ça qui recommande. Je sais que je l'avais laissé tranquillement avec le gars, qu'elle fasse de lui ce qu'elle veut. Parce qu'elle dit comme quoi le gars va l'amener aux États-Unis, ils vont se marier bientôt, le gars viendra doter, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je suis calme. Moi, comme mes soeurs m'ont conseillé, j'ai fermé ma bouche. Je suis restée bouche bée. C'est comme ça que quand mon autre cousin là m'explique ça, j'appelle une autre cousine, en fait. Je l'explique, même un autre cousin. Mon cousin m'a dit que non, c'est de trop. Il ne faut pas qu'elle exagère. Malgré que tu es resté calme depuis, un bon mot, elle continue toujours. J'ai laissé. Je suis resté tranquille. Elle-même, maintenant, la bonne dame m'appelle. Quand elle m'appelle, moi étant naïve, parce que je peux le dire ainsi, et parce que j'ai l'amour pour ma famille. J'ai l'amour pour ma famille. Quand elle m'a appelé, je me disais que ma soeur m'appelait pour m'expliquer un truc. Elle fait l'appel à trois, même y compris le père de mes enfants. J'étais à l'écoute. D'où elle dit au père de mes enfants que, monsieur, je t'écoute. Le père de mes enfants dit que, tu écoutes quoi? J'ai dit que c'est toi que je vais venir épouser. Donc c'est toi que je choisis. Si ta famille veut que tout le monde se pend là-bas. Ouais, les hommes. Elle me pose la question elle-même. Elle-même me pose, l'homme sait ce qu'elle fait, l'homme sait ce qu'il fait en fait. Elle-même me pose la question de savoir, j'espère que tu as compris. C'est comme ça que je m'énerve. Ce que je voulais vraiment faire, Dieu m'a aidé. J'ai eu les conseils de certains amis, de mes frères. Et c'est comme ça que j'ai contacté Tata Flore. Parce que c'est une maman pour moi et c'est une femme que je suis beaucoup. Et à l'instant, elle m'a aussi répondu. Je lui ai posé le problème, je lui ai demandé de m'aider. Parce que je n'arrive plus à supporter cette affaire comme ça, franchement. Et qu'elle essaie de faire quelque chose avant que moi-même, je ne prenne mes décisions finales. Parce que ta soeur ne peut pas se moquer de toi comme ça. Donc c'est la trahison totale. C'est la trahison totale. Elle a été ma meilleure amie jusqu'à preuve de contraire. Je me disais que ma soeur pouvait prendre conscience vu les conseils des gens. Mais je me dis qu'elle continue, elle continue. Donc voilà, la famille, moi je n'ai pas honte. Je sais que nous sommes, Facebook c'est comme une famille. Malgré qu'on ne se connaît pas. C'est pourquoi j'ai demandé à Tata Flore d'exposer le problème. Afin que certaines personnes puissent donner leurs conseils. Mais je tiens déjà à dire merci à Tata Flore. Pour tout, pour son temps qu'elle m'a accordé. Et pour tout le respect. En tant que sa fille, je lui dis grandement merci. Et à vous aussi, qui êtes connectés en ce moment, qui avez tout laissé pour écouter mon histoire. Et à toute ma famille qui me soutient aussi, je leur dis merci. Et à mes meilleurs amis qui sont toujours avec moi.
Donc, c'est un peu ça. Mais jusque-là, elle continue toujours les menaces comme quoi elle va repartir à la PJ, me porter plainte, tout ça là. Tout ça là, tout ça là, tout ça là. Bon, avec. Voilà un peu l'histoire que je vis dans ma propre famille. Ce n'est pas une copine. Ce n'est pas une cousine éloignée. C'est ma cousine directe. C'est ma soeur directe. C'est ma soeur, en fait. Donc, ce n'est pas une cousine comme vous entendez. Non. Donc, voilà un peu l'histoire. Mais je vous Moi, assure que non, c'est que j'ai très je... mal. Les enfants sont où? Les enfants sont à Isaac avec ma mère. C'est pas possible ça. Elle, Mais ta famille oui, elle dit m'a quoi en fait fait? comprendre. Ta famille dit quoi? Est-ce que ta famille, la famille dit quoi? La famille, ils ont essayé de parler. Certaines personnes l'ont. Bon, en fait, on a essayé de faire même l'assise par rapport à ça. Bon, on se disait que peut-être jusqu'à présent, ils pouvaient prendre conscience. Parce que même nos oncles ont parlé, nos parents ont parlé, nos grandes sœurs, même les aînés de la famille ont parlé. Bon, elle est décidée avec son affaire. Et nous, on C'est se le disait que gars. peut-être elle s'est limitée. Mais elle ne fait que continuer, en fait. Donc, en Elle ne fait fait, que si je comprends continuer. bien, ce qui te choque, c'est tout à fait normal. Ce qui t'énerve, c'est pas que toi et le gars, ça peut finir, mais ce qui te choque, c'est que c'est avec ta soeur. Il peut se mettre avec qui il veut, parce que ce père de tes deux Oui, enfants. Mais le problème, c'est que parce que c'est c'est ta clair. soeur, c'est pas qu'il est obligé d'être avec toi. Non, pas forcément. Pas forcément. Il est un homme et il est jeune. Moi aussi, je suis jeune. Mais le fait de se mettre avec celle qui a été ma confidente, donc ma soeur qui connaissait tout. Donc, si tu veux connaître ma vie, demande à cette fille. Non, les 400 coups, non. Ta soeur que tu dis, accompagne-moi manger au poisson braisé. C'est normal, hein, pour Voilà. fille. On a toujours quelqu'un dans la famille avec qui on s'entend. Elle passait tout comme elle est ma grande soeur de 6 ans. Donc, elle, parfois, je restais comme ça, elle m'appelle, elle me dit que viens préparer parce qu'elle a son petit garçon. Viens aider ta soeur à préparer, je me lève. Je pars préparer parce que je me dis que c'est ma grande soeur. Mais elle m'a montré que même dans la famille, il n'y a pas d'amis, en fait. Elle a fait en sorte que j'ai déjà peur de tout le monde. Mais comme elle se dit, elle a dit que elle est tellement forte, elle est au-dessus de la loi. Elle est grande, en fait. Elle peut faire du Mais n'importe elle est quoi. déjà mariée. Quelqu'un d'autre l'avait déjà dotée, non? Et son mari, là, où elle est deuxième femme, là? Oui, elle a été dotée, comme nous tous nous avions appris. Personne n'était. Personne n'était. Personne n'était. Donc maintenant, elle protège d'abord sa relation premièrement. Parce que si tu parles de son gars, là, elle va te dire que ne perds pas ton temps, tu ne peux pas la voir. C'est la première des choses. Mais je vois, le gars est sur Facebook. Donc quand tu veux parler de lui, elle te dit que ne perds même pas ton temps, ce n'est pas le genre d'homme que vous pensez. Il n'y a que moi qui peux Mais c'est l'expliquer, sûr que oui, ta c'est la soeur, là, vérité, elle c'est doit pour ce beaucoup temps. pratiquer. Hein. Elle dort chez les marabouts parce que c'est... Bon, j'ai une question parce que c'est très important, tu vois. Est-ce que le gars s'occupe encore de toi? Est-ce qu'il t'occupe de toi? Est-ce qu'il donne... Je veux dire, est-ce que tous les mois, il s'occupe... Je sais pas, est-ce qu'il s'occupe de toi? Même si on n'est plus ensemble, tu es la Non. mère de ses enfants. En fait, quand il est, bon, les mois passés, il envoyait de l'argent pour les enfants. Mais quand peut-être lui et moi, on se chamaille un peu, il ne donne plus rien. C'est l'autre jour, quand cette fille a fait, ma soeur a fait l'appel, que le gars a dit, qu'elle-même, elle m'a dit que c'est quand elle veut que le gars fait. Donc c'est elle qui demande au gars de t'envoyer l'argent aux enfants. Que si elle dit non, le gars ne va pas faire. Sans indiscrétion, quand tu dis qu'il envoie l'argent aux enfants, c'est un exemple, hein. C'est un exemple sans tout Oui. vouloir entrer vraiment dans ton intimité et tout. Quand tu dis qu'il envoyait l'argent aux enfants, par mois, il t'envoyait combien? C'est juste pour savoir comme ça, hein. Pour s'occuper des Bon, enfants. parfois, parce que c'est quelqu'un qui venait aussi de partir, parfois, il envoie les 150 000, parfois, quand il a, il envoie 100, quand il n'a pas, il envoie 100 000, parfois les 90. Ce n'est pas mal, c'est déjà bien. Oui. Mais... Est-ce que tu as essayé de parler avec lui tranquillement? Je sais pas, parce que je me dis que est-ce qu'il ne fait pas seulement ça? Parce que quand tu dis que ta soeur est avec, est-ce que tu penses qu'ils se sont déjà vus, genre, ils se sont déjà vus dans la vie réelle? Moi, je pense Là, qu'ils... tata, je ne peux pas, Non, je je ne sais pense pas qu'ils ce ne... que je vais te dire parce que je ne Non, sais ils ne pas. se sont pas encore vus. Ça, c'est encore à distance parce que la fille l'a fait miroiter, la fille a dû raconter plein de choses. Mais je ne pense pas. Tu penses qu'il peut venir au Cameroun
Et il voit la fille en cachette sans voir ses enfants et il part. Bien sûr. Donc, il est capable. Donc tu penses que les deux se sont déjà vus? Selon toi. Bon, mais je ne peux pas vraiment certifier parce que le gars, lui, il a mille couleurs et la fille, bon, ce qui se passe là-bas, elle est un peu, elle a l'aspect des palmiers, je suis à ma tête. Le gars peut toujours arriver sans que je ne sache parce que déjà, son enfant qu'elle a porte le nom du gars, Alberto. Ah. D'après ce qu'elle m'a dit aux autres, oui. Donc, okay. En fait, attends un peu, attends. Attends. Juste savoir. Hein. En fait, oui. Parce que si elle a, donc elle a accouché alors. Oui, elle venait d'accoucher. Donc elle vient d'accoucher là. Oui. Et elle a mis le nom du gars. Oui, oui. Mais au départ, elle disait que c'est le gars le père de l'enfant. Mais le gars lui-même avait dit que c'est pas lui le père de l'enfant. Parce qu'il n'a jamais vu la fille en question. Et qu'il a programmé venir voir la fille et déposer. C'est ce qu'il avait d'abord dit. C'est ce qu'il avait programmé avec la fille. Maintenant, quand il est venu me voir pour qu'on reprenne la relation, il lui a dit que la relation avec ma soeur, c'est comment? Parce que moi, je n'accepte pas ça. C'est comme ça qu'il a commencé par me relater. Bon, là, je ne vais pas mettre sa vie privée à lui-même. Voilà. Non, pas, je connais. Voilà, c'est un peu ça. Non, c'est qui, en fait, hein? Il y a un truc que je ne... Il y a un truc qui... En fait, ce n'est même pas faisable, en fait. C'est pas un truc... Comment elle peut donner le nom de l'enfant, le nom de ton gars à son enfant, en fait? Moi, je sais pas. Dans vos familles, ton père, ta famille... Moi, je comprends pas. Comment est-ce que les gens peuvent accepter ça? On ne savait pas. On ne savait pas. Bon, j'aurais appris ça chez une autre sœur aussi. Parce qu'elle postait ça sur son statut, parce que moi, je l'avais bloqué. Donc, il y a beaucoup de nos soeurs et frères qui ont vu. Ça veut dire qu'il est déjà venu au Cameroun en cachette. Ah. Mais c'est terrible. Donc, voilà un peu... Parce que c'est triste, hein, ça fait vraiment mal. C'est pour ça qu'on dit que se confier souvent aux gens, c'est dur. Ouais. Surtout, tu vois, si c'est encore une amie, ça se commet. Quand c'est dans la famille, c'est ça en fait, c'est le plus dur, c'est parce que c'est dans la famille. C'est quoi ce truc en fait? Justement. Et les gens de la famille disent justement. Quoi? Moi je comprends pas. Elle est une grande fille, tata. Il en est fait, venu. Les gens de la famille ne peuvent rien lui faire. Le gars était au Cameroun, écoute-moi très bien, parce que moi j'ai les gens aux États-Unis qui m'ont dit ceci. Il y a une période, le gars, il t'a dit qu'il avait le bracelet électronique, il ne peut pas bouger, nanani, nanana, non. Il était au Cameroun. Il est venu, il est venu voir la fille. Oui, ah. Il est là venu voir la fille. Est-ce que, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as envie de dire au gars? Est-ce que tu n'as pas envie de... Je ne dis pas qu'il doit être avec ta soeur, hein, mais je vais dire... Hein, parce que c'est que le gars t'écoute et que ses amis... Moi, j'ai l'habitude d'aller à Houston, la ville où il est là-bas aux États-Unis. Parce que, tu vois, j'ai envie que tu passes un message à ce gars parce que il a des soeurs. Il a des sœurs. Imagine un homme arrive dans ta famille. Il fait ça à tes sœurs. Parce que ça, c'est détruit une famille. Ta fille, ta copine ou c'est ta sœur là, l'a envoûtée. Ça, c'est les marabouts. Elle a envoûté le gars. Mais les deux là ne vont pas se marier. Les deux là ne peuvent pas. C'est un mariage que la famille ne voit même pas. C'est les conneries. C'est elle me laisse que personne ne peut assister à ça. Donc, ils vont se marier à deux là-bas. Le gars n'est pas en lui. Et ça, voilà. Je laisse d'abord, tu passes un message au gars d'abord. Passe d'abord un message au gars. Après, je vais ouvrir la ligne. Passe un message au gars. Ok. D'accord. Tout ce que moi, je vais lui dire, c'est que j'ai toujours eu à lui dire ce même mot. J'ai traversé des moments difficiles avec lui, à Idea. Il va sûrement, même Sago là, à l'écoute. J'ai traversé des moments difficiles. Je me suis sacrifiée pour lui là. Je me suis beaucoup sacrifiée pour lui. Mais si aujourd'hui, il trouve mieux de s'aimer le trouble dans ma famille, tout ce que je prie, Dieu, c'est que Dieu le bénisse. Moi, je peux le dire. Hein, que Dieu le bénisse. Mais que ça ne retombe pas sur mon enfant. Mais qu'il sache que
Il a une sœur, parce qu'il a une seule sœur dans sa vie. Il a une sœur et il a les membres de sa famille. Et tout ce que moi, je vais lui dire, c'est que si c'est cette vie, avec ses 33 ans qu'il a, si c'est cette vie qui va mener toute sa vie, qu'il se tient vraiment bien. Parce que même si ce n'est pas chez moi, il va écoper ailleurs. Qu'il continue ainsi. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Pourvu que leur mariage dure. Pourvu que ça dure. Et à ma soeur, parce que c'est à elle que, donc c'est avec elle que moi j'ai un problème. Je vais lui dire devant tout le monde entier, aujourd'hui, je le lui ai dit avant-hier, je ne suis pas en train de la supplier ou quoi que ce soit. Je lui ai demandé de retirer ses pieds, parce qu'elle a l'habitude de dire qu'elle va aller à la PJ, tout ça. Tout ce que je lui dis maintenant, devant tout le monde entier, devant son gars, qui est son gars même, pas le bête des enfants, qu'elle retire ses pieds, tranquille. Elle a l'habitude de dire qu'elle a l'argent, elle a ses gens, moi je n'ai personne. Sûrement elle a fouillé ma vie, elle a vu que je n'ai personne. Mais je suis sûre qu'elle est surprise de se retrouver aujourd'hui sur Facebook. Elle est en train de se poser la question de savoir comment cette fille a fait pour avoir cette femme. C'est comme ça qu'elle sera toujours surprise de voir la vraie histoire. À part ce qu'elle est là, elle est en train de faire là. Le grand frère arrive. Donc c'est tout ce que moi j'avais à dire. Moi je veux savoir, est-ce que le gars s'occupe des enfants bien? Est-ce qu'il s'occupe bien des enfants? Je ne peux pas dire qu'il s'occupe bien des enfants parce que c'est quand nous sommes en bon terme qu'on cause bien qu'il donne aux enfants. Et comme Sago m'avait dit, elle m'a fait comprendre que c'est elle qui donne l'autorisation. Dis donc, arrête de dire que Sago de quoi? Dis donc, arrête de dire que quel Sago? Moi, tu es même trop gentil. Toi tu parles de ça. Franchement, tu parles que Sago, moi je comprends même pas. C'est grâce à elle, non? Tu parles quoi de que Sago? Tu parles que Sago, Sago de quoi? Si mes enfants, apparemment si mes enfants veulent. Est-ce qu'elle pense à tes enfants, ses neveux? Est-ce qu'elle pense aux deux enfants que tu as? Avec ce. Elle n'a pas le temps, elle pense à ses. Elle ne pense à personne, puisque elle va penser comment? Parce qu'il faut qu'elle mange. Pour qu'elle soit à l'aise. Hey, vraiment, les familles ici dehors, hein, les familles, nos familles, c'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave. Il pouvait même être là-bas, il se marie avec une fille là-bas. Je ne sais pas, il vient même prendre une autre fille, mais pas ta soeur en fait. Le problème, c'est que pas ta soeur. C'est dur à accepter. Personne ne peut se mettre à ta place. C'est que tu es même très forte là. Parce que quelqu'un d'autre aurait déjà lâché le... Quelqu'un d'autre n'aurait même pas pu parler comme tu parles là. C'est très dur, c'est une situation très dure, très compliquée. Hein? Je sais seulement le cœur, mais... En fait, je suis née une fille forte. Forte. Mais il y a un mais derrière. Je suis venue aussi déposer cette histoire devant tout le monde entier pour essayer de voir comment... Parce que moi, je voyais seulement les trucs là, peut-être. J'entendais seulement. Je voyais ça quand bon, les gens postaient ça sur les réseaux sociaux et je voyais ça dans les films. Et je suis en train de voir ça dans ma propre famille. Donc, parfois, je dors. J'ai comme l'impression que je suis dans un rêve. Je ne sais, c'est donc, une vengeance que ce garçon fait. C'est une vengeance. Ça, c'est criminel. Arrête d'être en contact avec elle. Elle n'est pas ton Dieu. Elle peut te faire du mal. Elle peut même t'empoisonner. Je suis désolée d'employer ce terme. Hein. C'est juste que, même si c'est quelqu'un qui doit dominer une personne, elle ne doit pas te tenir au chantage, en fait. Tu n'as plus à avoir le contact. Comment se fait-il même que tu as même son numéro? Comment se fait-il que vous parlez même, en fait? On ne parle pas. On ne se parle pas. C'est elle qui m'avait appelé. Parce que j'ai une autre cousine que j'avais avertie. Va dire à ta soeur qu'elle dépose mon nom, elle a assez fait, je pense que je ne peux plus me laisser faire cette fois-ci. C'est comme ça qu'elle décide de m'appeler, croyant que peut-être elle m'appelle pour me dire peut-être que ma soeur, j'ai fauté ou alors, non, c'est pour me confirmer qu'elle est la femme du gars en question. Mais tu es même trop forte, hein? Parce que quelqu'un d'autre à la réunion familiale, tu t'assois devant, non mais attends, moi je chauffe l'eau chaude, je te verse ça. C'est pas qu'on te donne les intentions, hein, mais parce que la fille là, non. Ce que le gars cherche, mais il n'est pas là.
Mais ce que la fille là, elle-même cherche, il faut la calculer. Il faut lui, je dis que, hein, tu sais même quel genre de fille, bah ça même. Il faut la calculer. Qu'elle assiste, quand tu fais comme si tu oubliais. Hein. Tu as compris? Il faut calculer la fille là. J'assume ce que je dis. Fais comme si de rien n'était. Calcule cette fille là, ne laisse pas. Tu as entendu? Je dis que ne la laisse pas. Tu restes calme. Quand vous êtes à la réunion, famille, pendant que, à l'heure de manger, puisque dans la nourriture, on se concentre, quand elle mange déjà, tu fais chauffer l'eau, tu verses sur elle. On appelle la police, tu prends un gata. N'importe quoi. Il faut la calculer, la laisse pas. Ça, c'est la sorcellerie. Dis donc. Je vais ouvrir la ligne, comme ça, les gens vont appeler. Tu te calmes, ok? D'accord, maman. Maman, si tu ne laisses pas le gars de ta soeur, je vais mettre l'homme marié qui t'a doté sur Facebook. Et donc, Yami, le gars qui t'a doté, et le gars là, je vais envoyer ses photos aux États-Unis. J'envoie d'abord même à une personne qui est à Houston. Quand vous aimez tout, vous dites que, oh là, attends. J'envoie d'abord ses photos. J'envoie sa photo là à une personne. Il est au Texas à Houston, non? Quand vous aimez, Yami. Le gars, si tu seras sur Facebook, tout le monde va te voir sorcier. Je serai même là-bas chez vous. Tu viens détruire une famille. Pardon. Vérifie-moi le gars, si. Le gars, si là-bas à Houston. Vérifie-moi si tu connais le gars, si. Un gars qui détruit les familles. Il détruit les filles des gens. Il a enceinté deux sœurs. Vérifie-moi le gars. Si il a une femme blanche là-bas, tu me donnes ses photos et poste sur Facebook. Pardon, vérifie seulement. Papa, la femme chez qui tu habites, on va te mettre dehors. Oh! Comme tu as détruit la famille, une famille au pays, on va aussi détruire ta part. Oui. Et je vais te venir aux États, je vais te chercher les problèmes. La police va arriver, tu vas gongata. Et donc, il y a. Je dis que je vais te chercher pour aux États-Unis. Vérifie-moi le gars, si pardon. Attends, j'envoie encore. Papa, je dis que je vais te chercher les points aux États-Unis. Je fais mon tour. Je fais les États-Unis. Ma tournée américaine commence le mois prochain. Oui. Je vais te chercher les points. Je serai au restaurant. Là-bas. Attends, j'appelle d'abord une personne. Demande si on te connaît. Oui, ma soeur. Oui, tu connais le bandit ici? Maman, il est là-bas chez vous. Enceinte deux soeurs. Tu le connais, non? Je disais que le gars, si. Maman, je disais que j'arrive à Houston. Enceinte deux soeurs au Cameroun. Enceinte l'autre deux enfants. L'autre soeur, un enfant. Je te dis. Hey! Elles ont accouché. Oui! Regarde. Il y a une qui a deux, qu'il a laissé au pays quand il venait. Il vivait avec celle-là, Edea. Il est Kembe. Maintenant, pendant qu'il était ici, apparemment, la cousine, la soeur de la fille, prend le numéro. Je ne sais pas comment elle a eu le contact du gars. Ils ont commencé parce qu'il est revenu au Cameroun caché l'enceinte. Les deux ont l'enfant. Ils traînent là-bas, non? Hey! Fort. Sa mère là-bas, même son père. C'est un enfant. Oui. 33 ans. Oui, c'est lui. Hein? Sa famille, non, ma. Il faut que tout le contacte sa mère. Mon frère. Donne-moi le numéro de son. Oui. Son père s'appelle. Oui. Oui, Seigneur Jésus. Quand tu es arrivé aux États-Unis, oh, oui, tu l'as rien chez eux. Oui, maman, ses parents sont bien, non? Ils n'étaient pas encore là. Ils n'étaient plus là. Oui.
Je t'ai dit, j'ai dit que quand il est le gars, si. Il a fait fort là-bas partout. Il est en gata. Il est en gata, bracelet électronique sur son pied. Oui, non? J'ai dit que je connais. Il est en gata. Là-bas. Il est en gata. Lui, le bracelet, il ne peut pas bouger. Ma. Oh, 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 Mama Sarah, ma. Il va payer. Massa. Il ne va ni soit, il ne peut pas long là-bas. L'autre calcul est que. Canada. Ngata. Harvey. Oui. Maman. Donc c'est du Cameroun. Apparemment, il va aller se marier en août. Une entreprise, oui. Oui, il a promis au mariage. Le problème de ça. Il a dit que je vais scène à sa mère. Parce que sa mère va se déshabiller. Que je vais scène. Parce que sa mère, c'est que je dis que je vais scène à sa mère. Je vais scène à sa mère. Sa mère ne peut pas accepter ça. Mon frère. Je te colle après. Il dit que, petit, je vais exposer ce que. Je dis que, wallahi, je vais t'appeler demain. Si tu ne laisses pas l'autre prostitute, vieille chouette là, tu laisses même les deux. Tu t'occupes de tes enfants. Ce que tu as fait au state. Moi, je vais faire, tu vas go en prison pour toujours. Tu veux détruire la famille de qui? Tu veux détruire la famille de qui? Hein? Tu entres dans une famille qui a conçu sa famille. Et tu veux détruire. Tu n'es pas obligé de te marier avec les filles là. Cherche-toi une autre personne, tu sais. Tu ne peux pas. Ça veut dire que. Papa, je ne vais pas mettre ça. Parce que mettre ta photo. Tu connais les problèmes que tu as. Même celle-là qui rêve du mariage là. Avec toi. Hein? Laisse. C'était dit que. Hein? Je suis connue. On me connaît et je connais du monde. Petit, si tu n'arrêtes pas ton masque. Je dis d'abord que. Comment elle appelle là? Si ta soeur, je l'appelle. Si elle ne laisse pas qu'elle quitte sur ça. Je vais dire ce qu'il a fait. Elle use à tout prix. Elle va entrer comment? Lui-même, il a les problèmes. Que quand le bracelet électronique, elle dit qu'elle se marie. Que quand le bracelet. Maman, que quand le bracelet électronique, il va aller se marier. Je l'appelle. Qu'il aille se marier. Va te marier. Tu vas sortir comment à l'aéroport aux États-Unis avec le bracelet électronique. Ça va sonner partout. Et lent. Est-ce que tu connais chez les. Ça fait quoi là avec ta imbécile? Imbécile. Voilà le nom de sa mère. J'appelle sa mère. Ouais, mais une maman. Non, je ne peux pas. Parce que. Je ne peux pas. Je vais dire à sa mère que je vais mettre ton fils sur Facebook. Hein. Voilà le numéro de ta mère. Voilà le numéro de ta mère. Je vais laisser le numéro de ta mère et je vais lui parler tranquillement. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. C'est Fleur de Lille, ma faux. J'étais même là-bas chez vous à Houston, au Texas. Je suis venue peut-être 3 fois. Oui, je te laisse ce message parce qu'on m'a apporté un problème sur Facebook concernant ton fils. Et je voulais d'abord te parler avant de poster tout ça parce que c'est très très grave. Maman, c'est grave. C'est très grave ce que Albert a fait. Maman, il a enceinté 2 filles dans une famille. La mère de ses enfants qui vivait avec lui a aidé Yala, que tu connais, avec qui il a 2 enfants. Maman, il a enceinté la cousine directe de cette fille aussi. Donc, ça fait qu'il a 3 enfants au Cameroun, 2 mères. Elles sont venues avec son dossier. C'est là que je poste sur Facebook, ma mère.
Mais comme tu es la mère d'une personne que je connais, je ne veux pas mettre ton enfant. Parce que si je le mets maintenant, tout le monde va commencer à parler de sa vie, de ce que tu connais qu'il a fait aux États-Unis là. Je ne veux pas que ça soit sur Facebook, maman. Donc, il faut lui dire de quitter dans la famille des gens. Il y a les femmes aux États-Unis. S'il a un homme qui a cherché une autre femme, il n'est pas obligé d'être avec la mère de ses enfants. Mais il n'est pas obligé aussi de partir, entrer dans la famille des gens pour détruire maman. Qu'il est au Canada, il vient même ici en France, il cherche, il part partout, il cherche une femme. Qu'est-ce qui n'est pas détruit une famille au pays? Hein? Moi, je n'ai pas envie de mettre votre famille sur Facebook, maman, parce que tu es une personne qui est très chrétienne. Oui, tu es une femme tranquille qui est chrétienne. Je ne vais pas mettre ton nom, je ne vais pas mettre ses photos sur Facebook. Parce que si elle met sur Facebook, ça va faire que les gens vont commencer à parler de sa vie que tu connais là-bas aux États-Unis. Merci, maman. Bonne soirée. Bisous. Voilà ça, j'ai laissé un message à ta mère. Voilà ça. Bonjour, maman. J'espère que tu vas bien. C'est Fleur de Lille Mafo. J'étais même là-bas chez vous à Houston, au Texas. Je suis venue peut-être 3 fois. Oui, je te laisse ce message parce qu'on m'a apporté un problème sur Facebook concernant ton fils. Et sans compter ce que je voulais d'abord te parler avant de, j'ai laissé avant ta mère, de poster tout ça parce que c'est très très grave. J'ai laissé. On va te maman, montrer. Maman, c'est grave. Tu crois que tu es qui? C'est très grave ce que Albert a fait. Maman, il a enceinté 2 filles. Oui, tu as enceinté. Oh, il a dit que ton mari on gâte. Tu as compris? On gâte. Tu es qui? Un gars qui fout son truc partout, partout. Tu as vu ce que tu es parti aux États-Unis causer dans ta vie? Tu connais bien les États-Unis là? You go finish for Ngata. Nothing to tell you. C'est mon brother Albert. Because you, now my small brother, he get 23 ans, 23. I want to tell you, say, in, I know, say, they look me. Dancing with the fan and back for some family. You know, go rich. Oh, woman, wait, then they for États-Unis. You know, I see woman for marry, huh? Now, for inside some family, we go, come enter. For chakala family, for person. Me say what you? Eh? Me say what you? They not go leave you. Because I know, say, just now, he did find money for run for US. Because you know, saying big, big gata, they wait you. For your court. You get bracelet, electronic bracelet for your leg. You know, if you travel, you promise marriage. You don't talk thing we don't do. You don't talk for that, your new woman, where you tell you. Say, go bring her for US. You self, you go stay. Nobody say, then define you. People for US, then go send your picture partout, partout. Then go send your picture. Come back, come counting. You know, the shame, crayon sur lui. Ouh, 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 crayon sur lui. You know, the shame. And so, when I pass partout, partout, when I tackle family for people, tu as quoi? Tu es là-bas, tu fais ton job, merci, tu fais ton job, merci, quelqu'un t'a maraboutou sur ton caleçon que tu as. À une vieille. Les gens, mettez mon numéro d'appel pour intervenir. Je ne vais pas trop parler par le dossier sinon. Parce que le dossier, on va revenir avec. Tu comprends? Tu ne laisses pas le mari de ta soeur. Vous ne vous séparez pas. On vient avec le dossier sur Facebook. Donc tu as là, tu veux ton Américain. Quand ça met, vous êtes tout comme ça. Mais vous les filles au Cameroun, hein, j'ai comme l'impression que même pour, avec un chewing-gum, j'ai comme l'impression que même avec un chewing-gum, on vous niasse. Non, j'ai comme l'impression que même avec le bonka, dès qu'un gars, même avec le mantango, litre mantango, dès qu'un gars t'achète une Guinness, c'est pas possible. Tu prends le mari de ta soeur, le père des enfants de ta soeur, parce qu'il est aux États-Unis. Les États-Unis que lui-même, il veut fuir. Il veut poum. Il veut déjà fuir les États-Unis. Tu prends, tu fais l'enfant avec moi. Tu vas te retrouver. Elle a deux pères, un enfant. Elle a 2 enfants, un père. Toi, tu vas te retrouver avec combien d'enfants, combien de pères? Tu ne vois pas ces poèmes que tu remontes dans ta vie. Poupina, laisse. Poupina, laisse ta soeur. Merci pour les étoiles, mes cœurs. Vraiment, merci.
Donc, même avec le chewing-gum, dès que quelqu'un vient avec les chewing-gums qu'on vend ici en Europe à 50 centimes, même, il y a même l'autre. Dès qu'il commence à marcher, vous couchez avec. Mais moi, je ne comprends pas. Mais c'est cruel. Mais le gars là, mais ça, je m'en fous, c'est un criminel. Mais t'es périmé, mon numéro, on va épingler. Donc, en fait, donc, si un gars vient, je vais dire que, donc, quand quelqu'un vient, moi, je viens au pays, je rentre les fesses fermées, alors que c'est une benguise. Oui. Je viens au pays, je rentre, personne ne m'a touché. Je ne vais pas boire mon vin là-bas. La dernière fois, j'étais au Hilton, j'ai bu mon vin là-bas et tout, et tout. Il y avait même le mariage, il y avait l'anniversaire, la belle-fille du président de la République qui fait son anniversaire. J'ai bu mon vin, j'ai bu mes trois champagnes. J'ai vu les stars, les gens là-bas. Je n'ai pas accepté la drogue. Donc, vous voyez seulement les maris des gens. On vous drague avec le bonbon. Vous tombez dedans, maman. Shame. Hein? Mais il n'y a personne pour mettre mon numéro là. Pour mettre le numéro d'appel. Ah, si vous ne voulez pas, c'est comment? Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué du direct. Quelqu'un met mon numéro, non? On appelle, on continue le direct, les appels. Tu vas vivre, toi, Poupina. Tu vas vivre les États-Unis dans tes rêves. Merci, ma fille chérie. Je fais comment? Épingler, non, comme ça. Ok, merci chérie. Donc, vous appelez maman. Donc, tu vis les États-Unis. Tu ne connais même pas la vie du gars. Quand elle avait balancé. Oui, allô? Allô? Ah, oui, chérie. Oui, bonsoir. J'appelle pour intervenir sur le direct, s'il vous plaît. D'accord, chérie. Tu peux baisser un peu le volume du récepteur de ton côté. Ok, c'est bon, ça va déjà. En fait, excusez-moi, j'appelle parce que cette histoire, je ne peux pas dire que ça me concerne directement, mais c'est une de mes soeurs qui a appelé. Ah. Et du coup, je n'étais pas au courant de cette histoire. C'est quand tu as posté le truc la dernière fois, que je suis allée sur son inbox. J'ai essayé de causer avec elle, j'ai essayé de ramener ma soeur, mais je vois qu'elle est colérique. Et tout à l'heure, quand elle racontait tout ça, là, j'ai même coulé quelques larmes parce que ça me fait mal. Et Chico et moi, on a causé hier. On a causé sur Messenger. J'ai récapitulé à peine Laurent, j'ai pas su, mais on a causé à Messenger. Même j'ai vu comment la maman de ma soeur, là, avec tout ce que moi je peux te dire, c'est que. J'ai vu comment la maman s'est battue. Vous êtes montée à Edea. Elle est restée avec la première petite. Pour que vous puissiez vous assortir. Ici et toi. Vous êtes allé à Edea. Vous avez vécu là-bas. Tu as encore refait un autre enfant à Vichy. Mais si tu crois que aujourd'hui, c'est ce que tu vas aller faire à Pauline. À tu vas faire à Vichy avec Pauline, c'est pas bien. Franchement, parce que nous tous, on a vu comment Michi et toi, vous avez souffert. Donc, elle, sa mère prend l'enfant, elle vous envoie en ville pour que vous puissiez réussir. C'est que la femme, là, elle ne t'aime pas. Personne ne peut faire ça. Même ta propre mère ne peut même pas faire ça. Donc, cette mère, elle a souffert au village avec tous ses enfants, prends ton enfant. Monter en ville, même pour le respect pour cette maman, c'est pas Pauline que tu pouvais aller prendre. Tu pouvais aller prendre une autre personne. Je te dis. C'est pas Pauline. Quand même. Dans la famille, tu pouvais aller ailleurs. Moi, j'ai pas voulu contacter Pauline parce que moi, je cause même pas beaucoup avec elle. C'est plutôt avec Vichy. Mais j'ai vu qu'elle était vraiment en colère. Et Pauline, si tu m'écoutes, elle t'a insulté. Ma maman, parce que Vichy m'a fait comprendre que tu la lances, tu l'injuries, même la bataille, tu oses injurer la bataille. Donc, si toi tu crois que c'est Albert que tu as pris, comme Vichy vient de te le dire là devant
plus de 1000 personnes. Prends-le. Prends-le. Va avec le gars. Le jour qu'il meurt, mais mourrez même ensemble. Passez pour mes potes. Le jour qu'il meurt, vous mourrez même ensemble. Mais laisse chez tranquille. Tu laisses la bataille tranquille. C'est tout ce que moi je peux te dire. Tu ne vas même pas reconnaître ma voix. Tu ne vas même pas reconnaître qui va te parler. Qui est en train de parler. Mais Vichy sait qui est en train de parler actuellement. Donc, je suis d'ailleurs, mais je suis capable aussi de payer. Dis donc, le gars ne va pas l'épouser. Le gars même a les problèmes aux États-Unis. J'ai déjà envoyé là-bas. Hein. Donc, je lui ai laissé un message à sa mère. Épouser. Mais vous êtes sérieuse là? Qui l'a cherché notre fille? Comment il va venir détruire une famille? Ça se fait où? Mais Flo, si lui voit que c'est du bien, qu'est-ce qu'on va lui dire? Quel du bien de quoi? Si il voit qu'il fait du bien, qu'est-ce qu'on va dire? Qui laisse seulement la mère tranquille? Parce que moi, j'ai dit à ma maman hier qu'elle ne passe pas sur le direct avec cette histoire à cause de la maman, parce que la maman est maladie. La maman est un peu malade. Non, la maman ne va pas voir. Qui va lui montrer? Non. Quand je lui ai dit ça hier, elle m'a dit non, laisse tomber. Maman n'a pas un courant. Elle est au courant. Elle a essayé de me dire que moi, je ne suis plus au pays. Mais j'ai écrit cette histoire. Et puis, j'ai bagarré. Elle bagarrait pour toi. Elle faisait tout pour toi. Tout pour toi. Elle faisait tout. Elle bagarrait comme une folle. Tout pour toi. Donc, tu n'as pas la petite durant toute sa vie. Maintenant, pour le bon, tu veux dire que tu as supporté dans toute la sanité que tu as eu à faire. Quand tu peux maintenant réussir, pour que tu t'occupes de tes enfants, même pas d'être. Parce que moi, j'ai posé la question, non, j'ai posé la question à ma soeur que est-ce que tu étais à bord avec le père de ton enfant? Elle m'a répondu clairement. La première question m'a répondu qu'on avait quelques petits problèmes. C'est tu normal, ça arrive dans tous les, oui, les relations. Oui, 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 j'ai posé cette question. La première question que j'ai posée à ma soeur, est-ce que tu étais en bonne relation avec le gars. Elle m'a dit non, ils ont des petits problèmes. Mais c'est pas pour cette raison que l'autre va venir prendre sa soeur. Alors qu'elles ont bagarré, je te dis, Flo, tout ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Et elle bagarrait souvent devant moi en plein gars, il y a le prince. En plein gars, il y a le prince, elle bagarre pour son homme. Elle a travaillé, je veux dire qu'elle a travaillé pour ce gars, ça fait tellement mal. C'est pas cette récompense qu'il pouvait donner à la non, fille. Non, ça fait mal. Il peut prendre même ailleurs, partout, mais pas dans la famille, pas que tout le monde te connaît. Parce que tout le monde connaît cette fille. Moi, je connais cette fille. Non, le gars. Bien. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je lance tout là-bas dans sa ville aux États-Unis. Je dis que tout là-bas. N'importe quoi. Merci, ma grande. Merci, chérie. On ne refuse pas. Hein. Peut-être les gens vont dire que oui. Pourquoi vous... Non, on ne refuse pas. Ils pouvaient m'avoir une autre femme. Mais pas dans la même famille, gars. Vous, les hommes, là, ayez souvent même honte. Et tout ça, moi, j'accuse que les femmes, là. Parce qu'un homme, hein, il peut être en train de tirer son coup pour se venger. Vraiment, les hommes. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. Elle est même très forte. Hein? Et tu oses dire que c'est toi qui lui dis. En fait, tu es devenue la mère d'Albert, en fait. C'est-à-dire que toi, c'est toi qui dis maintenant qu'il donne si tu décides. Moi, si c'est moi, elle t'arrache une dent. Elle te dit que si c'est moi, ta soeur. Ah, comme vous n'appelez pas, alors moi, je vais donc couper. Je laisse alors, parce que je vois que les gens n'appellent pas. Je vais donc laisser. Je vais donc laisser. Voilà le numéro de ton père. Il vient de recevoir le numéro de ton père aussi, hein, Albert. Je vais laisser un message à ta mère, le voice. Je vais aussi laisser à ton père. Ton père qui t'a donné les papiers. Ça fait trop mal. Ma foi, elle connaît le remède. Elle a donné au gars. Non, tu sais, c'est vous qui croyez trop à ces choses-là. C'est vous qui croyez trop à ces trucs-là. Ça fait combien de temps qu'on est en direct? Bon, je vais devoir couper parce que moi, je me rends compte que comme les gens n'appellent pas, je vais couper. Oui, bonsoir, tonton Guizot. Oui. C'est comment? Bien, papa. Et toi? Ah, ça va, la grâce de Dieu, je suis au travail comme ça. Tu sais, quand tu ne sors pas les bonnes nouvelles comme ça, là, comment on est dérangé?
J'ai une femme pour toi, Guizo. J'ai une femme pour toi. Tu es français, non? J'ai une femme pour toi. Une vraie femme. Laisse-moi la sorcellerie à ton de poula. Pardon, donne-moi en direct là. Je veux parler pour le garçon qui est. C'est mon ami là-bas. Mais c'est quoi? Tu m'as mis en là-bas. Oui, t'es mis en direct. Tu connais le gars là? Tu t'as dit que c'est mon ami. Ça dit que vraiment, ça c'est vraiment le genre de tabac que moi j'ai fait. Donc, après, parle de la famille une fois. Donc, c'est mon ami. Donc, je sais pas pourquoi je te prends la tête. Est-ce que c'est la première fois que je suis que tu comprends ça? Oh, Guizo, tu sais quoi, ne m'amène pas les choses comme ça, dis donc. Pourquoi tu es hors sujet, c'est quoi? Ne t'amène pas, il ne faut pas prendre ça comme si c'est étrange. Tu vas bien présent. Guizo, ça ne se fait pas, tu comprends. Guizo, ne parle pas les choses comme ça, pardon. Ne commence pas à encourager le gars là, non, comment? Ne l'encourage pas, et je suis un problème sur ma faute. C'est quelque chose qui se passe dans le monde. Comment tu es étonné de ça? C'est quelque chose, quand quelqu'un meurt là, on dit que l'autre sujet est son frère là, c'est comment? On va prendre ça comme étrange, ma frère. Ah, Flore. C'est quelque chose qui est dans le monde. Donc, en fait, toi tu appelles comme ça pour encourager le gars qui l'a très bien fait, c'est ça? Je l'encourage pas, c'est quelque chose qui est dans le monde. C'est pas l'encourager, je l'encourage pas. C'est quelque chose qui est dans le monde. Il n'est ni le premier, ni le dernier sujet d'un qui fait ça, ma frère. Donc, il n'est ni le premier. Guizo, c'est pas toi et moi qu'on a bu le champagne l'autre jour là-bas dans le truc là. On n'a pas bu ensemble l'autre jour. Mais ça fait quoi? Et tu rencontres. Donc ce n'est pas avec toi que buvais l'autre jour le champagne. L'autre jour le runa. Tu parles très mal. Moi, si ça ne m'arrange pas, je n'accepte pas. Je supporte la fille. La personne qui est à gauche, je coupe. Guizo, pardon, travaille doucement. Les 150 euros sont finis. Les 150 gomas de Guizo. Ouais, comment vous êtes même comme ça? On met le numéro 00336-6940-5992. C'est comment? On vous dit d'appeler. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Je suis là même. Attendez. Donc, je m'en vais dormir alors. Oui, allô? Oui? D'accord, ma chérie. Je mets le haut-parleur. D'accord. J'ai eu d'appeler, après ça passait pas, j'ai entendu. D'accord, chérie. Alors, moi, tu étais en ligne avec vous. Ça va, ma fille, chérie. Ok, bon, bonsoir. Donc, moi, j'appelle pour intervenir par rapport à ce problème. Tout à l'heure, tu as dit un mot lors du direct, quand tu parlais. Ce que moi, je vais dire, comme on le dit tout le temps, franchement, les filles qui sont au pays, à un moment qu'elles arrêtent aussi d'écarter leurs jambes avec tous les dinguis. Parce qu'il y a un phénomène, comme tu disais tout à l'heure, on peut les prendre pour un poisson, pour ceci, pour cela. Et même quand elles sont là-bas, dès qu'elles voient un dinguis arriver, toutes là-bas, moi je suis partie, toutes rêvent à voir les enfants avec un dinguis, je ne comprends pas ce phénomène. Les gens vivent ici, elles ne connaissent même pas comment ces gens-là y vivent. Dès qu'elle voit quelqu'un qui sort de l'Europe et tout, et quand les jambes le fument, c'est quoi? À faire un enfant avec quelqu'un qui est en Europe pour attendre les petits 100 euros. Mais tous les maladies euros. Qu'il y a là-dehors. Vraiment, pour attendre les petits billets de 100 ou 50 euros qu'on va envoyer pour aller se placer à Western Union. Ce qu'elles ignorent, c'est qu'un enfant, c'est à vie. Un enfant, c'est un engagement, c'est à vie, quoi. À un moment qu'elles arrêtent, et comme le monsieur dirait, je suis pas d'accord avec ce que le monsieur a fait, hein. Mais ne nous voilons pas les yeux. Il y a des milliers et des milliers de filles qui sont prêtes à le faire, hein, là-bas au pays. Ma, pas avec ta cousine. Non, pas la famille. Je suis désolée. Mais je te dis que même dans la famille, à partir du moment où le mec vit en Europe, elles sont prêtes. C'est comme toi-même qui es là, comme moi qui suis ici. Moi aussi, c'est parce que les trucs comme ça ne m'intéressent pas. Tu vas au pays, tu dis que tu fous le bordel dans une famille, tu vas foutre le bordel. Entre-temps, le gars aux États-Unis, sa vie n'est pas claire là-bas. Effectivement, c'est ça que moi j'arrête pas de dire. Moi qui te parle, j'ai ce cas dans ma famille, dans ma maison. Et je tombe de nu. Comment elles ont fait des enfants avec les benguistes? Les gars sont en train de connaître même pas les situations. Et du jour au lendemain, tu apprends que le mec a une autre femme ici, il vit avec. Je n'arrête pas de leur dire, arrêtez avec. J'ai même eu à rencontrer une fille ici qui travaillait à la BISEC, à la banque, qui a fait l'enfant avec un benguiste, un voyou, mais qui est vigile ici. Comment une fille qui peut
veut faire des longues études, elle se retrouve à tomber enceinte avec un gars qui ne connaît pas la situation. Donc moi, je vais vous dire, c'est un phénomène qui est heureux, qui est, c'est un phénomène au pays, quoi. C'est un phénomène au pays. Et moi, je, même dans ma propre famille, j'arrête pas de leur dire, arrêtez de casser vos jambes avec les bêtises. Vous ne connaissez pas ce qu'ils font en Europe. Vous ne pouviez pas être là parce que le mec, il a un Europe, vous faites des enfants. Dès qu'ils arrivent, ben, ils vous écartez les gens. De toute façon, on va vous envoyer un petit 50-100 euros. Vous allez vous allez le placer là-bas pour retirer de l'argent. Que du camé dit qu'il a la nièce Transenga. Mais ça ne m'étonne. Peut-être qu'il manque, mais ça ne m'étonne pas qu'il couche avec des filles. Bon, ça va, j'ai vu comment il s'affichait avec une fille. Maman. Il dit qu'une bassa. C'est pour vous dire, moi je te jure que Flo, je vais au pays, je suis rentrée là le mois dernier. Oui. Parce que je ne m'intéresse même pas aux noirs. Tu connais, moi le noir, c'est pas mon truc. Mais je peux foutre le bordel dans toute une famille. Mais c'est pas mon truc. Je ne vais pas me salir pour des conneries. C'est un truc qui est facile au pays. Et moi, je vais dire aux filles qu'elles arrêtent, qu'elles écartent, qu'elles ferment leurs cuisses. Qu'elles arrêtent d'écarter. Elles ferment leurs cuisses, elles ne connaissent pas la situation des gars ici. Elles vont se retrouver en train de faire des gosses. Je dis, moi j'ai ce phénomène chaud. Le gars rentre, il parle au sous-sol. Les premières semaines, il parle encore un peu. Elles ont leur mot là, leur mot de passe. C'est le bengui, c'est le bengui. Moi je connais même les tontons ici, vieux. Ils sont déjà à la retraite parce qu'ils ont construit les choses que je vois dans ma vie. Quelqu'un qui a le numéro. Mais laisse tomber. Des filles qui tombent dans les bras de n'importe quel type, dans la vraie vie, elles ne pouvaient même pas sortir avec ce meuf. Juste pour un petit Rivia ou Western Union qui vient de l'Europe. Je te dis. Un petit Western Union qui vient de l'Europe. Non, mais ça fait mal, hein. Deux sœurs. Mais le mec peut en rafler toute la famille, même 10 sœurs. C'est pas. Je te jure, c'est un jeu. Il est capable de composer et les filles n'ont rien à foutre. Elles sont prêtes à s'entretuer, elles sont prêtes à créer des problèmes dans la famille. Elles ne se regardent plus dans les yeux à cause du bengui. Qu'elles arrêtent et qu'elles ferment leurs jambes. Ouais, c'est pas possible. Qu'elles ferment leurs jambes. Fermez vos jambes. Beaucoup sont ici, elles ne connaissent même pas la situation du mec. Ce qu'il fait ici, comment il est, sa situation. Parfois même certains sont des clochards où ils vivent. Non, ce qui fait mal, hein. Tu sais où ça fait mal, c'est parce que cette fille a vécu avec ce gars, ils ont 2 enfants, c'est pas comme ça. Si... Aujourd'hui, si tu peux regarder qu'on a vécu, elle a vécu avec le mec, non, mais elle est toujours au pays. C'est pour dire que ça, elle n'est pas sortie du lot, quoi. Elle n'est pas sortie du lot. Oui, mais elle attendait, puisque père de son enfant attendait, a demandé. Elle attendait, pendant qu'elle l'attend, il y a une autre qui guette à côté. C'est comme ça. Pendant qu'elle attend, il y a une autre qui guette à côté. Et il y en a même d'autres qui guettent à côté. Et ne soyons même pas de plus, un jour vous allez apprendre que peut-être s'il repart, il a encore fait avec une autre. Que ça soit, même si ce n'est pas de la famille, c'est du quartier, et quelqu'un qui connaît bien les mères des enfants. Donc ça ne surprend personne. Moi, la seule chose, le seul conseil que je peux donner, qu'elles ferment leurs jambes avec ces bengis. Non, le problème, c'est que si ça gratte. Ils sont des clochards ici. Non, mais le problème, c'est qu'il n'a pas de maison. Mais s'il est bengui, ce qu'il arrive là-bas, moi, je leur ai dit, on a dit que non, on a tiré sur moi, arrête de parler comme ça et tout. Parler de quoi? C'est une vérité. Moi, je te dis, il y a ce phénomène dans ma famille, j'en ai parlé. Tu arrives, non seulement, qu'est-ce qu'il fait le père? Il a un bengui. Mais si tu vois, quelqu'un a un bengui, mais il est incapable de louer même un studio dans le sous-quartier de 25-30 000 francs à la mère de l'enfant. Ouais. Mais il a un bengui. Juste le jour qu'il pense, il va t'envoyer un 50-100 euros. Mais le nom seulement que le gars en baigne. Et tu vois, quand la fille, tu as un mec en baigne, mais tu vis dans la maison familiale, le mec est incapable de te loger. Je te comprends. Vraiment, merci, ma puce. Je prends quelqu'un d'autre. Il y a un truc, hein, quand même, quelque chose qui m'étonne. Enfin, un truc que je dis, merci pour les étoiles, les cœurs. Vraiment, merci. Dès que l'autre passe à monétiser, on va aller là-bas. Vraiment, merci pour les étoiles. Il y a un truc qui m'étonne. Quand vous êtes avec ce gars-là, apprenez à leur demander un fonds de commerce. Apprenez à leur demander une formation, de vous payer quelque chose. Une femme ne reste plus sans rien faire. Parce que quand le gars te lâche, tu tombes, tu n'as plus rien, tu deviens nothing. Apprenez à faire quelque chose, en fait. Elle, par exemple, elle ne fait rien. C'est le gars qui était son tout. Maintenant que la soeur a arraché, elle fait comment? Déjà pour s'occuper de ses enfants, sa soeur lui nargue. Il faut avouer que cette fille, elle a Vichy, elle a beaucoup de cœur. Hein? Elle a beaucoup de cœur. Parce que la première fois qu'elle m'a parlé,
Elle a beaucoup pleuré. Ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait très mal. C'est parce que c'était elle que je suis venue parler aujourd'hui, que je suis venue sur Facebook. Elle m'a dit, Tata, je ne sais plus quoi faire, que les gens donnent leur avis. J'ai lancé le direct pour qu'après vous puissiez appeler pour donner votre point de vue. Mais je vois que les gens n'appellent pas. Bon, moi, je vais aller dormir. Non, c'est vrai. Je vais donc aller me coucher. Parce que moi, je ne comprends pas. Le numéro, ça passe bien. Je ne comprends pas. On a mis le numéro. On vous demande d'appeler. Vous n'appelez pas. Donc, je fais quoi? Je m'en vais dormir. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, ma chérie. C'est pour l'émission. Oui, chérie, on t'écoute. Bonjour, Flore. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. C'est qui? On se connaît? Bon, au téléphone, et puis tu étais venue à Lyon avec la star. Bon, c'est pas Ah, grave. d'accord. Enchantée, ça va? Oui, ça va, c'est la Ah, Gabonaise en ah, fait. la Gabonaise! Qui m'ont fait un panier comme ça, genre. Ça va Oh, bien? ah oui, je vais bien. Et ton mari va bien? Ouais, ça va, merci Oh là beaucoup. là, merci encore pour Lyon. Je Ok, pense que je bon. serai de retour bientôt là-bas. Ok, d'accord. Ok, mais en toute façon, on t'attend, hein. Oui. On vous attend, faut pas nous oublier. Ouais, Il bientôt. y a du monde à Lyon. Oui, c'est une très belle ville, très chaleureuse Lyon. Ouais. Et voilà, je suis pas en direct, En direct, tu veux que je t'enlève en direct? hein. Non, je t'ai mise en direct. Ça va, là, je peux aller en direct, c'est pas grave. D'accord. Mais oui, là, je peux aller, oui, tu peux me laisser en direct, c'est D'accord, ma gentil. chérie. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je crois que cette histoire doit nous interpeller, comme on dit, mais les premières personnes qui ont intervenu, je ne vais pas rester longtemps. C'est vraiment grave, très grave. Ne banalisons pas ce phénomène. Nous avons aujourd'hui nos cousines, nos sœurs, qui, quand tu portes une chaussure, elles se disent c'est elle qui doit porter cette chaussure. Quand tu portes une robe, c'est elle qui doit la porter. Parce qu'elle voit, elle se dit, elle ne te va pas bien, ou cette chaussure ne te va pas bien. Et ça va jusqu'à nos relations. Moi, à mon époque, le copain ou le mari de ma sœur, de ma cousine d'ailleurs, chez nous, la cousine, on ne connaît pas ce mot. Chez nous, c'est la sœur. Donc, elle devait du respect à sa sœur et au mari de sa sœur. Jusqu'à aller sortir avec le mari de sa sœur, c'est pas normal, c'est pas sérieux. Bon, on ne sait pas ce qui s'est dit entre eux, mais c'est pas sérieux. Et en plus, moi, ce que je n'ai pas compris depuis le début, c'est qu'elle aille porter plainte. Pourquoi faire pour enfermer sa sœur avec alors qu'elle a des gosses avec ce monsieur? Oui. Non. Je crois que la famille, s'il y a un responsable dans la famille, ce responsable doit pouvoir frapper du poing sur la table. Ah oui, parce que ce ne sont pas des choses à laisser. C'est comme ça que les problèmes peuvent aller de génération en génération. Parce que de toute façon, c'est la famille. Ils seront toujours appelés à se rencontrer. Et Tout à il fait. faut pas qu'on dise oui, c'est comme ça, c'est ceci. Non, c'est pas bien. C'est pas Même des choses, entre ça, c'est amis, même pas pensable en fait. Même une amie, non. si une amie est déjà sortie avec un gars, je vois pas pourquoi je vais aller sortir avec le même Et encore. sortir avec. Et puis les garçons aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent cogner des têtes aux filles. Ils veulent cogner des têtes, ils vont Moi, je venir te pense que ce raconter. gars, il fait exprès pour nuire à cette famille. Pourquoi? Mais attends, et son bracelet qu'il a, il sait d'où ça peut venir? Il sait d'où ça peut venir et ça et ses parents qui sont des personnes bien Des personnes qui croyantes, très croyantes. voilà des croyants comment là il ne gaspille pas seulement la famille de la fille hein. Ça peut vraiment impacter aussi sur la sienne donc il faut qu'on fasse vraiment attention et tout à l'heure quand tu disais ce que tu disais j'ai dit non 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 ne fais pas ça il faut pas non il faut pas prononcer des mots comme ça Quoi?
Quand je dis qu'elle chauffe l'eau, elle verse sur la fille. Non, donc, mais parce que la fille, non seulement la fille fait ça, mais elle nague. Elle nague, mais c'est ça qu'elle fait. Mais elle devrait avoir honte. Non, mais c'est pas si elle devrait avoir honte. Elle devrait. Et puis, voilà, on ne va pas cesser de vous remercier. Ce que vous pouvez faire sur les réseaux, toi, ma faute, voilà, c'est vraiment, c'est bien, la sensibilisation. Et c'est très, très bien. Donc, en tout cas, moi, je te dis merci de ce côté. Vraiment, si vous avez des soucis, c'est moi qui vous remercie. Parce que c'est encourageant. Je t'embrasse, ma chérie. Moi, je te suis, même si je ne peux pas voir, je te suis toujours. Merci infiniment, ma puce. Je t'embrasse. Allez, bisous. Bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Ouais, ok, très bien. Allô? Oui? Bonsoir, chérie. C'est comment? Ça va? Je mets le haut-parleur. Ok. Là, mets le haut-parleur. Maman, ça va apprendre aux femmes. Quand vous battez un binda à vos hommes, vous dites, vous commencez à raconter comment ça se passe. Ça, vous commencez à raconter comment ça se passe avec votre mari, c'est bien fait. Comme ça, hein, toutes les filles, là, vous pensez que quand vous partez dire à vos maris que voilà comment mon mari fait, me fait, voilà comment ça se passe avec mon mari, que ça ne leur donne pas le goût. Fermez vos bouches quand vous êtes avec vos maris. Ne racontez plus à vos soeurs, à vos amis. C'est que c'est comme ça qu'on va piquer. Ah. C'est comme ça qu'on va piquer vos maris. Adama. Donc il faut faire attention. Faites attention, fermez vos bouches. Parce qu'il y a ce phénomène qui se passe beaucoup dans les familles. Et c'est comme ça que chacun perd son mari. C'est grave ça. Oui. Hey. Parce que quand tu as ton mari là-bas, Marco, tu peux dire, ouais, ma soeur, mon mari me fait comme ça, je suis comme ça avec lui. Voilà comment le cœur gonfle là-bas. Les femmes aiment raconter même la position. Moi, je me souviens à mon époque, quand j'avais mes copines, on racontait même comment le gars niasse bien ce que le gars t'a donné. Exactement. Tu racontes tout. Exactement. Et si tu devenais sage. Tu n'as pas le fil. Tu n'as pas le fil. Je dis, je n'ai pas. Gardez le secret, si ton mari te niaise bien, tu dis qu'il ne connaît pas niaise, comme ça ta soeur va fuir. Donc c'est la niaise qui a tiré, et s'il a un peu les jetons? S'il a les jetons, tu dis qu'il n'a pas, il a seulement prêté, c'est le crédit. C'est ça, maman merci. Mais quota, à notre époque, moi j'ai grandi en Europe, je suis une fille qui a grandi ici. Oui, je ne connais pas la vie de... non. J'ai grandi ici, à Roubaix. C'est-à-dire que je suis une fille qui a grandi en Europe. Nous, on n'a jamais connu ce truc-là. Que ma copine soit avec un gars. Après, je sors avec. Non. Mais vous, les filles d'aujourd'hui, les voleuses de mari, oh père, voilà une avocate qui appelle. C'est la soeur Kamo, s'il te plaît, prends mon appel. Ok. Nasso aidé. Ah, les vieilles chaudes matin, elles sont là, elles ont le gars. Elles sont les milliardaires matin, je ne sais pas, sont au pays, elles n'ont pas de gars. Le jour qu'elles se marient, 3 jours après, me marie. Oui, allô? Coucou, maman. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. Oui, je voulais intervenir, ma foi. Oui, maman, on t'écoute. Oui, je disais que si ça ne dépendait que de moi sur ce genre de situation, surtout à nos jours, ça existe beaucoup. La fille devrait beaucoup crier et confier cela au bon Dieu, ma foi, parce qu'elle ne pourra rien, elle ne peut pas empêcher. Il y a tellement de pratiques à nos jours, surtout avec les filles du pays. Là, elles pratiquent tellement que on ne sait même plus comment faire. Qu'elle prie juste beaucoup et elle leur confie entre les mains de Dieu, que ce soit le gars ou la fille, ça ira loin. Parce que le karma existe. Les gens posent des actes, mais elles n'imaginent pas des conséquences. Ouais. Le karma
C'est très grave ce que sa soeur a fait. On dit que oui, c'est des choses que les gens font, mais est-ce que c'est bien alors? C'est détruire une famille. Détruire toute une famille. Oui, c'est très dangereux. Je me demande comment est-ce que les gens peuvent même dire oui, ça existe. It's ok, oui, ça existe. Mais est-ce que c'est bien alors? Et les gens croient même que l'Amérique là, c'est quoi? Qui a quoi ici? Il n'y a rien. Maman, tu vas dire à qui ils vont accepter? Je demande l'argent. On travaille dur. Les gens travaillent très dur aux États-Unis. C'est ça qui fait rêver les petites filles du pays. Mais le problème, c'est qu'une fille qui se comporte comme ça, même si elle vient, ne va jamais rester dans ce mariage. Elle ne peut même pas rester. Non, elle ne va pas rester. On va trop l'agnasse. Le gars va voir la magistrat. On va trop la combo. On va trop la combo. Oui. La combo sera de taille dans la maison, partout. Dans l'enganda. C'est une rêveuse, ma fou. C'est une rêveuse. Je te dis, c'est une rêveuse. Pina, laisse le mari de ta soeur. Vraiment. Qui? Maman, tu sais, dans les situations comme ça, tu te dis, il peut aller même chercher ailleurs. C'est vrai. Il peut aller voir une autre. Ailleurs. C'est encore mieux, mais la soeur de, sa, de la mère de ses enfants. Mais c'est très grave. C'est très grave. Moi, j'ai eu mal, j'ai eu pitié de cette fille quand je l'entendais parler. C'est pas possible. Ça fait très mal. Mais c'est quand moi, même le père de ses enfants. Ils ont deux enfants. Ils ont roi ensemble. On ne dit pas que le gars ne doit pas se faire sa vie. Mais qu'il a fait sa vie avec une autre personne. Pas dans la famille, gars. Deux enfants. De non, maman. Enfants. Poupina, tu n'es pas sérieuse. Ce que tu as fait à ta soeur, c'est un crime. Une autre personne comme ça serait suicidée. Elle est très forte. Elle est méchante, maman. Tu es méchante. Je ne sais pas comment ta famille te regarde. Je ne sais pas, peut-être chez vous, les gens font ça, mais franchement, c'est grave. Non, maman, on fait que c'est quoi? On fait ça où ma faute? Non, aucune famille. On fait des choses comme ça, ma chérie. Poupina, tu as fait même fort. Chez les... On fait ça, ma faute. Même chez les Blancs, c'est des crimes. C'est pas bien. C'est pas bien. Elle est possédée, maman. Elle n'a même pas honte. Au point où elle n'a pas encore porté plainte à sa soeur. Oui, le problème, c'est que, maman, on l'a dotée. Elle est comme ça, Ndjomba, dotée de quelqu'un. Elle est Ndjomba et on l'a dotée. Et le gars est quelqu'un de connu. Je ne vais pas prononcer. J'ai dit que si elle ne laisse pas ce problème, le gars sera affiché sur Facebook. Oui? Marco, le démon attend elle. Je te dis la vérité. Le démon habite en la fille. Ce n'est pas simple. Je te dis, pour poser ce genre d'acte étant dotée, mais le démon habite en elle. Parce qu'elle est très courageuse. Ben, je prends quelqu'un d'autre, hein, s'il te plaît. Merci. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonjour, ma femme. Oui, ça va, chérie? Ça va bien, et toi? Est-ce que je peux intervenir dans le direct? Oui, bien sûr. Ok. Alors, bonjour à tout le monde. J'interviens par rapport au problème de la dame. Tout ce que je peux dire à la dame, c'est d'être très forte, d'essayer de s'éloigner un peu de sa soeur qui lui a pris le père de ses enfants, de chercher à faire quelque chose elle-même, un investissement qui peut lui rapporter pour ne plus être dépendante au gars. Parce que le problème aussi, c'est le fait qu'elle était très dépendante parce qu'elle a compté sur lui. Mais de nos jours, on n'est plus dépendant des hommes. Il faut que toutes les femmes doivent faire quelque chose de leur vie pour ne plus être dépendantes. Donc, elle essaye d'investir sur un truc, et un petit business qui peut lui rapporter et être dépendant. Couper complètement les ponts avec cette famille-là, la famille de sa soeur, là, qui, sa soeur qui fout la merde dans. Je ne sais pas pourquoi elle est même derrière elle. Je ne comprends pas. Donc, voilà. Et j'interpelle aussi beaucoup de personnes qui vivent en Europe, parce que moi, j'ai constaté que les filles en Afrique, leur problème, le mot benguiste, c'est devenu je sais pas quoi. Dès qu'elles entendent qu'un gars est benguiste, elles écartent juste leurs pieds. Voilà, elles sont prêtes à tout pour être. Les gars qui sont ici avec nous, ils sont incapables même de te draguer. C'est-à-dire qu'ils sont incapables même de dire un mot. Effectivement, donc il est ici, souffre, il ne sait pas, mais dès qu'il arrive au pays, il devient le dieu de toutes les filles au Cameroun, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire.
Je suis vraiment désolée et triste pour elle parce que c'est pas facile. Mais qu'elle soit forte et qu'elle sorte de là en essayant d'être dépendante. Si elle devient dépendante, elle verra qu'elle ne va même plus, ça ne va plus rien lui dire. Elle ne cherchera même plus à savoir pourquoi sa soeur fait ci, fait ça. Même les appels, elle ne va même plus chercher à arranger quoi que ce soit avec sa famille. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, chérie. Je pense que si... C'est ça aussi, hein. Vous les filles, il faut apprendre à faire quelque chose. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, excusez mon enfant. En fait, je voulais intervenir. Oui. Ce que je peux dire à la dame, c'est que tu fais très attention à sa soeur. Parce que quand tu arrives à te faire ce genre de choses, elle peut te mettre le poison. Elle a mesure de faire du mal. Elle ne prend pas ça à la légère. Moi, j'ai l'impression que si sa soeur l'appelle, même que je te donne rendez-vous, elle va aller, hein. Parce que c'est quand même bizarre. Quelqu'un te prend le père de tes enfants, elle t'appelle, tu décroches, mais tu parles quoi avec? C'est ta mère? Elle te donne la vie? Elle te nourrit? Non. Et le problème, c'est que la dame, puisque comme j'ai suivi le direct, la fille dit, la dame, elle est sonnée de 6 ans. Ça veut dire que c'était sa confidence. Tout ce qu'elle faisait, la dame, elle est au courant. Ouais. Donc, tout elle prenait comme sa grâce du même ventre. Donc, souvent, elle se confie. Ce n'est pas comme quelqu'un qu'un ami dort, que tu vas aller dire que non, je sors avec cet homme. Cet homme. Et après, mais c'était sa soeur. Donc, elle disait tout. Elle disait tout. Comment? Donc, ça fait plus mal à ce niveau. Elle est juste une mauvaise. Vous savez que depuis que la dame vivait avec ce monsieur, non, le problème aussi, c'est qu'apprenons un peu, quand on est avec un homme, de ne pas tout raconter, le fond souvent. Parce qu'en fait, quand tu racontes, la personne sait tout, la personne connaît les faiblesses de l'homme, tout ça, je ne sais pas, c'est... Non, mais elle ne pouvait plus imaginer ça, que ça pouvait venir de sa propre histoire aussi. Ouais. Non, elle ne pouvait pas imaginer. Oui, c'est sa sœur. Elle ne pouvait plus imaginer que c'est elle qui pouvait lui faire ce genre de coup. Oui, c'est sa sœur. Donc, ce que je peux dire, qu'elle se méfie d'elle. Elle est dangereuse. Donc, il faut qu'elle se batte pour ses enfants. Pour l'éliminer, mais elle peut faire tout pour l'éliminer, qu'elle fasse très attention. Elle m'a fait, franchement, elle m'a fait couler une lame hier quand elle m'a dit, écoute, on a même coupé la lumière, je n'ai même pas l'argent pour payer la lumière chez moi. Ouais. Ça dit qu'on a coupé la lumière où elle habite, chez elle, dans sa chambre, où elle loue. Le monsieur, on n'a pas coupé les prélèvements, qu'elle se batte, elle a quel âge? Non, mais le problème, c'est que c'est le gars qui était dans sa vie, qui s'en chargeait de l'aider. Quand tu parles de quelqu'un aussi, c'est ça. Est-ce qu'elle va se battre? Il aura honte. Hein? Même pour ses enfants. Un jour, il reviendra pour ses enfants. Là. Il n'a même pas honte. Un gars qui a d'abord une sale vie. Hein? Qui a une sale vie. Tu entends que quelqu'un marche avec le bracelet électronique. Ils arrêtent franchement de détruire les familles aussi. C'est pas du tout. Parce que ceux qui connaissent le monsieur, il connaît la dame depuis. Donc ça veut dire qu'il connaît même quand la fille avait peut-être souvent des problèmes avec lui. Il était au courant, elle était au courant des textes, c'est elle-même qui les a arrangés parfois, les problèmes, je suis très sûre. Oui, c'est elle qui les a arrangés souvent, je suis sûre, moi aussi. Je suis sûre qu'elle était souvent intermédiaire. Mais que les gens aient quand même honte. Elle fait très attention, qu'elle peut couper les ponts avec cette dame, qu'elle s'éloigne très loin d'elle. Qu'elle coupe tout, ses téléphones, tout, qu'elle se rapproche, même des réunions de famille, qu'elle s'éloigne. Et tu vois un peu, attends, tu vois un peu, tu vois, ça fait mal, hein? C'est parce que vous ne pouvez même pas imaginer le degré de douleur. Imaginez, dit, des fois, elle a la réunion de famille, c'est où la fille appelle le gars en vidéo. Je sais pas, vous voulez la mort de quelqu'un? Elle est prête à tout. Elle est prête à tout pour aller aux États-Unis, elle est prête à tout. Parce que si tu vois, mais peut-être elle n'aime pas le monsieur, hein? Je suis très sûre. Je suis sûr qu'elle n'aime pas le monsieur, c'est pour laisser l'intérêt, elle est là-bas par intérêt. Hein? Maman, même la famille du gars, hein? Moi j'ai laissé un voice à la mère du gars parce qu'elle ne connaît pas. J'ai laissé un voice pour dire qu'il a enceinté deux filles. Mais ce que maman, c'est que la famille africaine, moi je ne comprends pas. Quand il y a une situation comme ça, que votre fille vient se plaindre, il y a sa soeur qui
qui sort avec le père de ses enfants et que les gens vont dire calme-toi, parce que mais franchement, c'est comme ça que les familles se détruisent. Hein. Ça dit que les familles, hein, voilà, tu as pensé comme moi, tu comprends? Les familles africaines, je ne comprends pas. Non, calme-toi, c'est ta soeur. Mais ce sont des gens qui ont faim, quoi. Franchement, vraiment, les familles en Afrique, vous n'avez pas de dignité. Comment pour accepter que deux... Mais ce n'est pas possible, en fait. Deux soeurs sortent avec le même. Vous, calme-toi, c'est ta soeur. Tu vas exposer notre famille. C'est ce qu'on lui a dit dans sa famille. Non, on n'expose pas la famille. Il y a quelqu'un qui a demandé son numéro OM. On l'a coupé la lumière. Je ne connais pas, je vais lui demander. Même la maison, elle dit qu'on l'a coupé la lumière. Elle a pleuré hier. Moi, ça m'a fait mal. Et quand elle se plaint dans la famille, on dit non, ne salis pas notre famille. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas que les gens sachent sur Facebook. Tu as vu? On ne mesure pas sa douleur. Elle a deux enfants. Non. Après, j'ai suivi une dame qui a donné se connaître depuis. Donc, elle bagarrait pour ce monsieur. Oui. Pour savoir qu'avec moi, on le connaît bien dans la famille. Et avec une aille aux États-Unis, donc il était là-bas. C'est la fille qui faisait plus Henriette, écris-moi sur WhatsApp. Je vais te donner son numéro OM. Il n'y a pas de problème. Ok, ma chérie, merci beaucoup. Franchement, tu viens de dire un truc. Vraiment, les familles en Afrique, hein. Moi, je ne comprends pas, vous, les familles en Afrique. Mais vous n'avez pas de dignité. Une sœur, votre fille se plaint, sa sœur a pris le père de ses enfants. Et vous dites que non. Je ne peux pas mettre son numéro sur Facebook, non. Sans son autorisation, je peux passer. Ça ne se fait pas, ça. C'est vrai, si vous avez quelque chose à lui, vous m'écrivez sur mon numéro. Et moi, je vais donner son numéro. Je vais vous communiquer son OM, elle va me donner. Il n'y a pas de problème. Mais mettre son numéro comme ça, les gens vont commencer à la déranger. Je ne veux pas. Dans les familles en Afrique, ce sont les alphamés. Les familles en Afrique ont tellement envie du mariage que tu ne comprends pas. Elle a mal. Sa soeur qui était sa confidente a pris le père de ses enfants jusqu'à faire un enfant avec, donner son nom. Et vous dites qu'elle ne doit pas salir la famille. Entre les deux, qui a sali la famille? Qui a sali la famille? Entre les deux, qui a sali la famille? Donc vous voulez qu'elle meure pour que vous compreniez qu'elle a mal. Votre but, c'est qu'elle meure en fait. Que Vichy meure. Elle a sa façon de s'exprimer. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu, voilà, vous voyez un peu. Mais il y a des gens comme ça. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. C'est une personne qui a mal. Et on la nague. Elle est même très forte. Elle est forte. Et on doit lui dire de continuer à rester forte. Dans la vie, quand quelqu'un t'a fait ça, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Ce gars, peut-être, n'était pas fait pour être avec elle. Elle ne force pas, elle ne dit pas qu'il faudrait que le gars soit avec elle. Elle dit juste que le gars ne peut pas sortir avec sa soeur. Et le gars, il est aux États-Unis, il n'en a rien à foutre. Il a tellement fait les bêtises aux États-Unis, il a même fait pire aux États-Unis. Albert a fait pire aux États-Unis sur l'enfant de quelqu'un. Il a le bracelet électronique au pied pour ce qu'il a fait. Il attend son jugement pour go taper ses 10 ans de gata. Donc là où il est là, il est en train de se préparer pour fuir les États-Unis. Il est en train de se préparer pour boum. Et c'est un homme comme ça qui ne peut pas mettre sa braguette. Il ne peut pas tenir. Moi, je vais vous expliquer. Vous, les hommes, vous, les Africains, là, la façon que vous fonctionnez en Afrique à foutre votre braguette partout. Ici, tu ne t'amuses pas. Tu t'amuses, tu finis en prison. Oui. Et puis, les familles africaines, le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma fleur de lit, bonsoir. Je peux te mettre en direct? Fini, là. D'accord, père, je t'ai mis. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, moi, je voulais juste dire que j'appelle depuis le Cameroun. Mm-hmm. Je voulais juste dire que je souffre beaucoup parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas travailler, qui veulent juste rêver l'Europe. Mais pour arriver en Europe, tu dois travailler toi-même. On ne vit plus près de maintenant. On ne dépend plus de l'homme, en fait. C'est ça. Parce que toutes ces filles-là nous barrent ici. Nous, on travaille ici. On a le peu d'argent ici. On vit bien ici.
Mais quand tu dragues une fille, elle va te barrer parce qu'elle rêve d'aller en Beng. Elle va te dire que son gars est benguiste. 18h seulement, elle fait les appels vidéo. Vraiment, moi, l'histoire là me fait tellement mal que cette fille-là fasse très attention parce que ta soeur même peut l'empoisonner. Mm-hmm. Parce que elle donne même déjà le poison. Donc, elle doit même l'éviter même. On ne sait pas parce que là, sa mort est déjà proche. Parce que quand quelqu'un prend déjà ton mari, ça veut dire que la personne te tue et te retue encore. Je t'ai dit. Donc, elle doit faire très. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc, moi, ce que je peux te dire, du courage pour ce que tu fais, reste comme tu es. On ne peut même pas te descendre. Nous sommes toujours avec toi parce que tu fais le bon boulot. On te suit. Moi, je te suis. Ça fait des années aujourd'hui. Tu ne changes pas. Tu es toujours. Tu nous donnes la joie du cœur. C'est important. Oh, merci donc, beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Fasse très attention parce que sa sœur, elle est là. Et sa sœur n'a pas fait le coup la seule. Il y a certaines gens là qui sont là, qui poussent à sa sœur de le faire. Ah, dans la famille, n'est-ce pas? Les gens tout dans la famille, n'est-ce pas? Bien sûr, dans la famille. Parce que quand tu fais quelque chose comme ça, là, au moins, il y a une tante qui pourrait dire que ce que tu fais là, ma fille, non, on n'a pas fait ça avant. Mais quand tout le monde, il y a d'autres qui supportent, d'autres ne supportent pas là, elle ne doit pas faire ça seule. Il y a d'autres qui disent, bon, vas-y, 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 tu vas devenir, quand tu vas te marier, toi aussi, tu vas nous faire monter, tu vas faire monter tes soeurs et tout. Et tout. On connaît tout ce qui est là. C'est comme ça. Oui, que... Parce que tout le monde veut voyager, et qu'on ne te manque pas, tout le monde veut voyager. Oui, que... Les mbengis là viennent finir nos jeux ici là. Les mbengis là viennent gâter nos mariages ici là. Non, Boza ici là. On a notre petit agent ici. Quand tu donnes la fille, non, elle mange dès que le mbengis est là. Les nous, comme ça, quand on voit les Adexambres venir là, on dit, ouais, Seigneur. On veut finir nos filles. Si tu l'attrapes pas bien là, c'est fini. Ok. C'est bon à dire, non. Aime rêver. Et c'est comme ça que les mbengis là mangent bien même. Moi, je vous donne, là, tu vois, le Mbengis là ne donne rien à la fille. Seulement manger, appartement meublé, le bon parfum, monter de temps ouais. D'aller à Kribil. Ouais. Tu commences à manger comme nous aussi on mangeait là. C'est fini, hein? Maman, Mbengis m'a fait là. Ça, oh. Quand j'étais au père, Mbengis m'avait fait ça. Je ne connaissais même pas encore que le gars m'a fait ça. J'ai acheté le poisson, tu vois les gros yenda là, non? À Youpé. Et qui? Bien sûr. Met dans la glace, allait donner à sa famille, à Yaoundé et tout. Le gars ne m'a même pas donné 5, il m'a dit que oui, il est venu comme ça. Et moi, je vivais avec quelqu'un, mais quand il m'a dit que Mbengis, moi aussi, j'ai vécu ça. Ils ont les modèles, le conteneur. Un menteur. Non, je dois dédouaner, on m'a demandé 18 millions ou bien 50 millions, tu attends un peu. L'argent que j'ai amené, c'est leur langage là. Et comme les filles aiment quand on les manque là, elles se sont les mboutous, quoi, elles aiment dire oui, béni, oui, oui. Comme le lézard, béni, oui, oui. Un gars. Papa, on ne finit pas le crédit. On a déjà mis la lumière. Oui, 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 ça va. Il y a la marche pour la lumière, là. Cabral. Honorable Cabral a lancé la marche. Il faut aller marcher. Il n'y a plus trop de coupures parce que ça, la semaine passée, on ne dormait même pas trop de chaleur. Moustique de ça. Ça vient, ça part. On peut imaginer Douala comme Douala chaud. Mais ce n'était pas facile. Oui, que. Si on coupe là-bas, ça vient ici, on coupe là-bas. Maman. Et Neyo, on va faire comment? On va supporter. On va supporter, on va faire comment? Merci, mon chou. Oh, de bien, merci, merci. Bonne bisous, soirée, bisous, toi, hein. Bisous. Un gars, Guy, c'est son nom. Guy. Guy, je ne peux jamais t'oublier. Un Benguis. Mes chers frères et sœurs, je l'avais connu, c'est ma copine. Elle m'avait inscrit sur... C'était avant. On achetait le ticket d'Internet comme ça sur un bout de papier. C'était... Ou c'est quoi, l'eau? C'était Internet. C'était le bout de papier comme ça. On achetait... Donc, tu remplis là le bout de papier, ça tenait la connexion. Ou c'était quoi, là-haut? Ou c'est Abaker? C'est une fille qui m'avait inscrit que maman. Cherchons la route de Mbeng. Sauf que... Oua! Entre-temps, j'étais moi chez mon père là-bas qui m'aidait. J'étais en mariage, je viens, on reste.
mon père là. 1, 2, 3 love. Hey. C'est une amie qui m'a inscrit que maman m'baigne jusqu'à les blancs dedans le feu. Quoi, c'est les filles du sous-quartier. Chacun veut beau, chacun veut praven. Chacun veut voyager, maman. Quand tu restes au quartier, tu entends télé-gouambeng. Tu dis que quoi? L'autre qui était là, gouambeng. Quoi? On te dit que tu sais où? Réseau. Internet. 1, 2, 3. 1, 2, 3, love. C'est comme ça que, tu sais, j'étais sur ce chemin. Je ne sais même pas trop comment on fait. On me dit que tu écris comme ça. Tu fais comme ça. Quand tu veux partir, c'est là où tu as encore beaucoup de gens qui viennent. Ta connexion est finie. Tu dis que donnez-moi encore 300. On dirait que Internet, c'est quand tu es parti que tu commences à avoir beaucoup de gens qui arrivent. Maman, c'est comme ça que le gars m'a écrit. Maman, il m'a donné son numéro et tout et tout. Maman, j'ai seulement dit à ma copine que ma coach, elle a eu. Oh. J'étais dans le mariage, mais je calcule seulement que c'est qui est sûr. Si ça donne, me voilà, go. Un jour, le gars me dit qu'il arrivait déjà au pays. On dit comme ça. Il me dit qu'il arrive au Cameroun, non. C'est comme ça que mes gens, je suis allé à Youpé. Enfin, on m'avait donné la ration. Mon type où je fais le viens, on reste, m'avait donné la ration. J'ai acheté le poisson, j'ai coupé en deux. L'argent de la nourriture que j'ai coupé pour l'acheter au mariage. Dans un sous-quartier là-bas, Yaoundé, où on descend comme ça. J'arrive. Le gars me donne rendez-vous, il m'explique leur maison. Je suis allé donner la glacée, les gros yenda là. Les yenda, c'est le mâchoiron, les gros mâchoirons. J'ai donné là-bas pour acheter le mariage. Le gars, il me dit, maman, il faut voir la chambre qu'il a entré dedans pour dormir. Je suis resté dehors. Maman, c'était le rideau, non? Maison, c'est à Yaoundé, c'est maison en terre. Là, il dit que non, c'est qu'il a l'hôtel, mais il ne peut pas l'avoir laissé sa mère comme ça et tout. Maman, je le regardais seulement comme ça. J'ai donné une glacière de poisson. Il m'a dit qu'il n'avait pas encore fait le change de son argent. J'ai dit, oui, mais on n'a pas dormi. Hein, parce que moi, je suis une fille qui n'a jamais dormi vite fait avec les Joe. Genre. Mais Jean, après maintenant, ils ont fini de manger mon poisson. Quand j'appelle Guy, ça ne passe pas. Je l'appelle, ça ne passe pas. Oui, tu sais, j'ai des problèmes. Je suis arrivé au Cameroun, ma voiture s'est montée, s'est descendue, c'est depuis. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mes chefs et soeurs, il m'a fait ça. Peut-être 3 ans plus tard, j'ai atterri en Bénin. J'étais à Lille, au serpent de Lille. Maman, je suis en train de marcher avec une amie là. Un gars me dit que c'est ma femme ici. Oh, ma femme. J'ai le regard, il dit que c'est qui? Un gros. Il dit qu'il avait le gros. Il dit que ma femme. J'ai dit que mais c'est qui? Il dit que tu es ma femme. C'est toi. J'ai dit que qui? Il dit que tu ne connais pas Guy. Guy qui était venu à Yaoundé, que tu étais venu de la glacée de poisson dans sa famille là-bas. Et ma chérie dit que donc c'est toi. Un baiser commence à l'insulter. Il dit que voleur. J'ai commencé à l'insulter jusqu'à ma soeur qui était avec moi qui m'avait accueilli. Elle dit que tu le connais. Elle dit qu'un menteur. Elle dit que ne parle pas comme ça. Elle dit qu'un voleur. Tu n'as pas honte. J'ai maman. Elle me dit que tu le connais. Elle dit que. Il était venu au Cameroun, c'était en quelle année? Elle m'a dit qu'il habite là-bas en face avec une grosse blanche, voilà sa maison. Elle a dit que il habite là-bas avec une grosse blanche, il est marié. Que Guy là, un menteur, est-ce qu'il habite là-bas? J'ai dit que quoi? Il dit que le gars s'il m'a menti. J'ai dit que Mbengsi, il n'y a que les montagnes. Parce que quand tu arrives en Mbeng, tu peux aller dans n'importe quelle ville. Les gens, on s'est tamponné. À Lille. J'ai dit que le gars s'est mangé. Il commence à dire que je devais t'épouser. Je l'ai insulté propre. J'ai dit j'ai crié un menteur. Sa famille, ils m'ont escroqué le poisson guillet. C'est à moi que tu as fait ça. Il a commencé à faire comme s'il voulait nier.
Ma soeur qui était avec moi dit que un menteuse, qu'il habite là-bas, sa femme, il est marié à une femme là. Il habite là-bas en face. Il habite à l'étage là-bas. Sans ascenseur. Les maisons sans ascenseur, que tu montes, probes les escaliers. Guy, tu me regardes, espèce de menteur. Avec les gros mâchoirons que j'avais pris à Youpé, ta famille à manger. Vous êtes comme ça. Tu avais quoi? Tu me veux parler? J'étais attrapée. Comme Dieu ne dort. Ma femme. Femme café. Un gars bafoussam. Menteur jusqu'à. On m'a dit que ou bien il fait quoi là? Il manque dans son travail, mais il manque qu'il est où? C'est marabout, c'est voyant là où. Menteur, il manque les blancs. Et tout, il voulait me faire Jacques, oui, tu es où, tu as le téléphone, tu es arrivé quand, maman? C'était encore nous comme que c'était, que c'est comme, mais j'étais d'ailleurs peut-être même à 2 mois de mai. Il cherchait la femme qui va mettre son dos par terre. Oui. La honte va te tuer. Quand tu me vois briller comme ça, regarde comment je brille. Quand tu me regardes, tu crois que tu pouvais m'épouser? Un foiré comme ça qui habitait chez une femme blanche. Je ne sais même pas où tu es aujourd'hui. On m'a dit que les goûts t'ont pris ton prix, que tu marchais derrière les goûts, tu as mangé la viande à mec. Jusqu'à, tu marchais que wow. Mon mâchoir que ta famille a mangé. Pas avec. Vous êtes beaucoup comme ça. Hein? Et c'est là de vous mentez les mengis. Heureusement que je suis rentrée dans mon mariage. Si je comptais sur toi, tu n'allais jamais m'amener en Europe. Mon père qui voulait fuir. Mon père qui voulait fuir pour venir derrière toi, que comme les femmes sont en train de te regarder là où il y a l'avantage. C'est lui qui m'a fait venir, mais. On n'appelle pas, il n'y a personne qui a appelé depuis là, c'est quoi? Je coupe le téléphone. Mon frère, il n'y a personne, on met le numéro, vous n'appelez pas, vous faites quoi? Demain c'est lundi. Oh, tu nous grondes trop. On met le numéro, vous n'appelez pas, c'est quoi? Donc, vous avez resté jusqu'à 23h pendant que vous dormez avec vos hommes. Moi, je suis là. Vous restez dans le direct. Qui a appelé? C'est encore un autre menteur. Ah. Il y a même d'autres qui appellent pour me dire qu'ils m'aiment. Moi, ça me fait rigoler. Guizot, c'est quoi? Tu veux parler aussi? Moi, je ne prends pas les gens qui parlent hors sujet. Oui, Guizot, tu envoies quelque chose à la fille? Oui, pour te faire pardonner. Non, j'étais pris, oui. Oui, qu'ils ont tué qu'elle mette le haut-parleur. Je ne peux pas dormir. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, pour commencer d'abord, je vais d'abord. Comment va la maman d'abord? Excuse-moi, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas. Comment va la maman? Ça va bien, ta belle-mère va bien. D'accord, merci à la grâce de Dieu. Bon, voilà. C'est comment je vais expliquer aux gens. Tout à l'heure, j'ai expliqué, mais tu ne m'as pas laissé finir. Cette histoire, cette dame qui a ses problèmes, c'est un problème qui est tellement grave dehors. Ma soeur, je vais te dire quelque chose. Et Flore, par rapport à ce que tu vis, après le dossier qui est plus grave. Pour elle, il n'y a d'abord rien. Et ce que tu sais, que je vais t'envoyer dans la vidéo. Il y a une fille qui a fait venir sa propre mère ici. Sa propre mère. Sa fille unique. Sa fille unique qui a fait venir sa propre mère ici. Et la fille était mariée avec son gars à la maison. Le gars a pris la mère de la fille est arrivée ici. Le gars a pris la mère de la fille, fouetté sa bien jusqu'à la santé. Je te dis quelque chose, tu dis fouetté bien jusqu'à la santé. J'ai la vidéo de ça, je peux t'envoyer. Ah, il faut m'envoyer après. Fouetté avec l'arbre de la. L'arbre de quoi? Fouetté avec le manguier. Fouetté. T'es mangé, le gars a couché la mère de sa fille. De oui, oui, j'ai compris, fouetté, oui. Oui. Mais il a couché la mère de sa femme jusqu'à la santé, même. Il est jusqu'à la santé. Et là, il se trouve ça. Le gars m'a donné 40 000 euros à la mère des rats. C'est même au Cameroun. C'est un Camerounais des rats. C'est même au Cameroun. Avec la femme, la mère, elle ne rentre pas. Donc, 40 000 euros, oui.
Robert, c'est un monsieur qui a son argent. Il a donné 40 000 euros à la fille, à la mère. Le rentrer. Papa dit que non, je veux récupérer cet argent et je ne rentre pas. La fille est passée chez ta collègue, vous appelez la fille Varela. Quand ça nous tue pour parler de ça. Et je suis camerounaise. Donc je veux dire à celle qui a ses problèmes que ma soeur, d'abord avant de parler à toi, je veux parler à ces garçons-là. Mon frère, non, toi tu es puissant, hein. Toi tu es vraiment un garçon maudit, même plus que le diable. Il manque seulement un peu que tu vas prendre la graine de la maman là. Tu vas prendre la grand-mère de ta femme. Parce que si tu prends sa soeur, tu vas finir par prendre sa grand-mère. Du courage, mon frère. Du courage. Mais ça que je veux dire, ma soeur, comment on a pris, comment c'est ta propre soeur qui a pris ton mari là. C'est que moi je peux te dire, si tu connais le père de ces garçons là, va récupérer ton homme. La vengeance, c'est le manque chaud. Si tu connais son père, va récupérer le père du gars, ton homme. Et là, vous savez qui t'enfant. Parce que si tu son père aux États-Unis. Je sens qu'elle veut donner le numéro du père. Je vais faire le numéro du père du gars. Oui, ma soeur, si tu m'écoutes, hein, c'est le seul moyen là-bas. Ne cherche pas que tu vas prendre l'ami de ton gars, non. Ne cherche son père. Tu ne sais pas si tu cherches que son grand père même. Oh, les conseils de ça, oh. Oh, les conseils, oh. Mais tu veux que je te dise quoi, non? Si le gars là, si le garçon a pris sa soeur, c'est qu'il va prendre sa propre mère, Flor. Je te dis que. Non, c'est bon, papa. Non. Moi, je vais go nan là. Il est à 23h minuit bientôt. Bon, d'accord, je vais encore à mon retour d'abord, Ah, tu parles. Oui, tu t'en vas au Cameroun, Guizo. Mais je t'avais que j'ai parti dans un camp, toi aussi. Ah, oui, tu peux au Cameroun. Ah, ok, Guizo. Pardon, je vais te. Tu vas passer saluer la fille pour moi, s'il te plaît. Je vais te faire. Tu vas aller saluer la fille pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît, tu vas aller la saluer pour moi. Elle a Doha là aussi. S'il te plaît. D'accord, je te donne son numéro. Merci. Bisous, ma personne. Bisous. Bisous. Il y a Guizo qui va aller saluer pour moi. Mais Jean, merci de m'avoir écouté. Et bah, on se dit à bientôt. Bonne nuit. Merci à tout le monde. Merci d'être toujours là pour moi. Et si vous avez vos soucis, vous avez vos problèmes, n'hésitez pas. Sachez que je suis disponible à vous écouter. Et merci pour toutes ces personnes-là qui m'ont fait les étoiles. Waouh! 45 227 étoiles. Du jamais vu. Je pense que je vais commencer à m'asseoir tous les soirs. Je fais les vidéos, hein, franchement. Tous les soirs, 1 heure, matin, en journée, 1 heure de direct. Non, on va faire, même c'est dans le noir, non. On fait seulement les directs. Tous ceux qui se sont attaqués avec moi, à moi, donnez-moi leur liste, la liste. Parce que moi, je vais les clash là maintenant. Oui, moi, je veux les clash. Je veux le clash. Je n'ai pas d'inspiration. Je ne suis pas inspiré. Les gens qui s'attaquent à moi, envoyez, je vais répondre. Et je ne veux plus les conseils, ne réponds pas à ci, ne réponds pas à ça, non. Je ne veux plus, je suis une blogueuse. J'ai le droit de parler de ce qui se trouve sur la toile. Oui. Donc arrêtez souvent de me dire, non, ne parle pas de tes choses, ne parle pas de non, vos conseils, c'est bien. Mais vous voulez que ma star, moi, je ne veux pas que ma star Maya se termine. J'étais calme parce que la page n'était pas monétisée, elle ne m'apportait rien. Donc, je veux. Voilà, je suis disponible. Bon, en attendant, ne manquez pas. Sachez que Atlanta, le 11 mars, Atlanta, la nuit en blanc, Atlanta, aux États-Unis d'Amérique, le 11 mars, singular. N'oubliez pas de réserver les billets, sont déjà disponibles, les tables, il faut réserver, sinon... Après, il n'y aura plus de place. Après, on a à Caen, le 25. Maman Catino qui va prester à Caen pour la Journée internationale de la femme. Et la reine-mère Fleur de Lille qui sera là. Vous allez recevoir le programme au fur et à mesure.
Où est ta côte? Mimbang, hein? Bon, on va réveiller sur Coco Mimbang. Laissez d'abord, je n'ai pas dormi pour aujourd'hui. Merci, hein? Réponds à Borosang et la chèvre du Canada. On va répondre à tout le monde, mes cœurs. OK? Bisous, les cœurs. Bisous. Je vous aime. Bye bye. Bonne nuit. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui m'ont donné les étoiles. Merci beaucoup. Je vous aime très fort. Merci à mes followers, les sympathisants, ceux qui m'encouragent et tous les dragueurs. Les dragueurs sans suite, là. Vous draguez même, ça ne donne jamais rien. Bisous, non. J'ai dormi.